Et bonjour à toutes et à tous les loulous. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau live sur la chaîne après notre grosse session sur Disney Dreamlight Valley hier après-midi. Alors première chose que vous allez me tester, c'est le son, le retour son. Est-ce qu'il est bon de ma voix? Ensuite, on testera le son de ma voix par rapport au son du jeu. Normalement, cette fois, j'ai pas oublié d'activer le son du jeu, donc on sera bon. Là, on est en mode papote. Et puis bah, surtout, j'espère que vous allez bien. On est sur la dernière partie du week-end, hein. On est dimanche après-midi. Alors finalement, j'ai fait un peu plus tôt le live, tout simplement parce que j'avais envie de jouer un petit peu plus au jeu. Donc comme je dois boucler à 5h30, bah, je me suis dit on va commencer à 14h30 au lieu de 15h, comme je l'ai annoncé sur les plannings et sur les messages sur l'onglet communauté et sur le Discord, hein. Bonjour à toi Soma, le son est bon. Alors, eh ben, du coup, on va faire les coucous, comme ça m'évite de faire des coucous dans le vide. Alors, coucou justement à Sébastien, bonjour à Renaud, bonjour à Céline, bonjour à Gérald, bonjour à Mrs. Beers, attention, la modératrice de l'enfer qui va sévir si ça se passe mal. Mais elle est très gentille, soit dit en passant. Bonjour Lyra. Hop, je redescends le chat. Je crois que j'ai fait le tour. Bonjour Bels et bonjour Marine. Voilà, les derniers arrivants. Alors, je vois que vous êtes déjà nombreux. Ça fait quoi? Ça fait ouais, 10 petites minutes que j'ai lancé. Bah, vous êtes déjà assez nombreux. On est 20, un peu plus de 20 sur le stream. Ça fait plaisir. Alors, je sais que le jeu est très attendu par la part des amateurs de Farm Sim. Farm Sim, Live Sim, hein, Action RPG, appelez-les comme vous voulez. Bonjour Christophe. Alors j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour 3 heures de découverte, les loulous. J'ai eu ma clé ce matin après avoir réclamé aux devs parce que j'avais toujours rien reçu dans les mails. Donc il faut savoir qu'ils ont envoyé les clés à 5h hier après-midi. Ils nous avaient averti que ça pouvait prendre un délai de 5 heures. Hier soir, avant d'aller me coucher, ne voyant rien arriver, j'ai envoyé un message au community manager de Coral Island, enfin un des community managers qui m'a répondu dans la nuit, que j'ai vu le message ce matin. Finalement, j'ai donné 2-3 infos et j'ai pu récupérer ma clé. Donc on est bon. Il vient de y avoir une mise à jour sur le jeu, justement. Je vous rappelle que le jeu sort le 11, hein. Donc là, vous avez un petit accès en avant-première de 2 jours. Alors, je suis pas le seul, hein. C'est par rapport en fait au fait d'avoir backé le jeu sur Kickstarter. Tous ceux qui ont backé le jeu en version alpha. Et donc qui pouvaient déjà jouer au jeu en fait, hein, mais sans pouvoir montrer de vidéo ou d'image ou quoi que ce soit, et bien vous pouvez y jouer depuis ce matin, 2h du matin, c'était l'embargo. Alors j'avais pas à vous faire un stream à 2h du matin, hein. Le son est ok pour moi, ok. Bon bah c'est cool. Donc du coup on commence cet après-midi. Bonjour Morgane, comment vas-tu? J'ai trop hâte d'y jouer, trop contente qu'il soit dans le PC Game Pass. Ouais, ça c'est cool ça. Je vais passer en lurk. J'ai la crève. Eh bien écoute, désolé pour toi d'avoir la crève. Cette saison, hein, là, il fait frais le matin, il fait chaud l'après-midi. Enfin, je sais pas combien vous avez, mais nous, il fait 26 là. Bon, ce matin, il faisait doux quand même. Mais il y a eu des matinées où il faisait assez frais quand même et des après-midi chaudes. Donc, du coup, ça fait des bonnes différences de température. Et puis voilà, bonjour Thierry. Donc, bienvenue à tous les arrivants. On va pas tarder à se lancer. Donc j'ai pas grand-chose à vous dire sur le jeu, je peux vous donner aussi quand même quelques petites infos. Donc le jeu est développé et édité par Stairway. Non, il est développé pardon par Stairway Games et maintenant ils ont trouvé un éditeur en cours de route, donc c'est édité par Humble Games. Donc pour ceux qui connaissent, hein, Humble Bundle, hein, c'est la même société. Donc le jeu, je vous ai dit, il sort mardi 11 octobre, normalement je crois que c'est à 17h. À moins qu'ils aient changé les horaires, mais c'était les horaires initiaux. On est sur un Farm Sim. C'est un jeu qui est passé par la case Kickstarter, comme je vous l'ai dit, qui a cartonné au niveau du Kickstarter. Du coup, ils ont franchi plein de paliers supplémentaires qui permettent du coup de rajouter pas mal de choses. On va voir ensemble sur. D'ailleurs, je vais passer sur la scène du jeu. On va voir un peu la feuille de route. Parce qu'il y a une feuille de route sur le jeu. Donc tout n'est pas présent, hein, on est sur une early access. Et on met des pouces bleus. Merci pour le soutien. Merci Marine, c'est gentil. Donc oui, il y a une mise à... Donc le calendrier des choses à venir. Donc ils ont découpé ça en saisons. Les premières mises à jour, ça va être surtout des correctifs, de l'optimisation, hein, pas forcément d'ajout de contenu à part des vêtements et des décorations, le lot numéro 1, ce qu'ils appellent.
Ensuite, au printemps, donc c'est pas de suite, hein, on aura les premiers vrais ajouts in-game, ben notamment les 5 cœurs pour les PNJ, c'est-à-dire monter notre amitié avec les cœurs, hein, les animaux sauvages, un nouveau des vêtements, un festival et les tenues de bain. Voilà. Mise à jour ensuite d'été, donc on est bientôt, dans moins d'un an. Il y a tout ceci, je vous laisse lire, hein, je ne vais pas vous faire non plus le compte rendu de chaque phase. Ensuite, ici, il n'y a pas de saison. Mise à jour de Merfolk, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être une mauvaise traduction française. Hein. La trad FR est un peu bancale. Ensuite, on a la mise à jour d'automne, la mise à jour d'hiver. Donc, automne, on est déjà à un an. Là, hiver, donc c'est 2023. Hein. C'est dans longtemps. Et puis voilà, sortie de la fin. Le mariage des enfants, ça va arriver très tard. Et ensuite, on aura la sortie en 1.0 dans plus d'un an. Donc, tu as une grosse phase d'early access. Et ensuite, on aura le multijoueur. Voilà. Enfin, surtout le multijoueur complet. Oui, il est gratuit. Enfin, il est gratuit. Tu payes ton abonnement, mais tu l'as de dispo sur le Game Pass. PC. Vu que console, en général, rares sont les jeux en early access qui sortent sur console. Hein. Donc sur le Game Pass PC, que t'aies le Game Pass Ultimate qui fait PC console ou le Game Pass PC, bah tu peux jouer au jeu sans l'acheter en fait le jeu. Voilà. Tu payes juste ton abonnement et pour rappel, hein, le Game Pass, c'est un système de Microsoft qui permet de jouer à plein de jeux, à tous leurs jeux dans le Game Pass, moyennant un abonnement alors j'ai plus les tarifs en tête, mais si on prend l'Ultimate où il y a tout, c'est moins de 20 euros quoi. Donc moins de 20 euros par mois, c'est rentable pour avoir accès à des centaines de jeux même. Donc ça c'est cool. Morgan est en train de tout expliquer en plus, donc voilà, j'ai rien de plus à rajouter. La sortie complète, il arrivera sur console quand le jeu sortira en 1.0, effectivement. C'est ça. Et la sortie, comme je disais, le 11. Voilà, donc vous avez vu un peu le contenu. Je pense qu'on va se lancer, si vous êtes chaud. Je vais juste vérifier un petit truc avant. Mais normalement, vous avez les sons du jeu. Quand je rentre dans les menus, tout ça. Normalement, il y a les petits bruitages. Je sais pas s'ils ont mis la dernière mise à jour là qui est sortie juste tout à l'heure. Je pense pas. Non, c'est toujours la même note que j'ai eue ce matin. Donc ça, on est bon. Et je veux juste vérifier un truc. Ah oui, on est déjà 36 sur le live. On va se lancer. Alors, on est bien assez nombreux. Donc, j'ai peut-être loupé des arrivants. Bonjour Maxime, Isabelle. Alors bonjour Isabelle, du coup. Maxime, c'est peut-être ton nom de famille. Ou tu as un pseudo partagé avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Mais enfin, bonjour et bienvenue à toi. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne pense pas. Si, bonjour Natala, que j'ai loupé aussi. Et puis bonjour à tous les viewers de l'ombre, hein, qui ne discutent pas dans le chat, mais qui soutiennent la chaîne en étant présents sur le live ou en regardant les vidéos, même s'ils ne mettent pas, par exemple, de commentaires sous les vidéos. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, petite info que je voulais vous faire passer aussi. Il faut savoir que ça a été résolu cette nuit ou ce matin de bonne heure, mais pendant 2 jours, donc à savoir la journée de hier et d'avant-hier. Il n'y avait pas de monétisation sur la chaîne, j'ai mis un message sur le Discord. Il y a eu un gros souci de YouTube qui a touché des milliers certainement de YouTubeurs, où en fait on avait perdu la monétisation sur nos chaînes. Donc en fait depuis 2 jours, les vues sur toutes les vidéos, à la fois les nouvelles mais aussi les anciennes qui font des vues, hein, n'ont rien rapporté à la chaîne. C'est un peu le souci, mais bon tant pis, c'est comme ça. C'est résolu depuis ce matin. Donc j'ai remis la monétisation sur les vidéos qui sont sorties hier et avant-hier, parce que du coup elles n'étaient pas activées. Pour le live d'aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Et hier soir, impossible de mettre la vidéo que j'aurais dû vous mettre à 21h en YouTube première. En plus, elle a buggé. Elle aurait dû sortir à 21h en horaire normal. Elle est sortie à 19h, mais elle était en mode personne me voit, à part moi. Donc, ça a été très bizarre. J'ai été averti par Mrs. Beers ou Chris, je ne sais plus, comme quoi qu'il y avait un souci dessus. Du coup, je l'ai désactivé, je l'ai réactivé sur YouTube pour qu'elle soit visible au moins par tout le monde. C'était Astérigos, hein, le Souls-like. Mais par contre, j'ai pas pu vous la faire au YouTube première. YouTube n'a absolument pas voulu me proposer le YouTube première sur cette vidéo. J'ai pas compris. Alors, j'espère que ça posera pas problème ce soir. Parce que ce soir, on se retrouve à nouveau ensemble pour un jeu français en présentation. Et normalement en YouTube première, voilà. J'espère que ça marchera. Sur ce, bonjour à Série Fail, bonjour Série, bienvenue à toi sur le live et on va se lancer, on va jouer nouveau jeu. Alors il faut savoir que j'ai joué, ça fait bien plus d'un an que j'ai accès au jeu, mais j'ai joué surtout au début.
Ça doit faire pas loin d'un an que j'y ai pas touché. Je pense que le jeu a beaucoup changé par rapport à ce que j'ai connu. Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, le live est l'épisode 1 d'un let's play qui continue la semaine prochaine. Donc on se lance en fait aujourd'hui pour le premier épisode d'un épisode de 3 heures hein, en let's play. Donc, type de corps. Bah déjà, on veut un mec. Hein, c'est mieux. Alors, ça, par contre, je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est juste qu'il est plus corpulent. Là, on est sur le modèle féminin. Très bien. Au niveau de la peau, ça me convient. Alors, le visage. Bah, c'est surtout la coupe de cheveux, moi, que je veux voir. Ouais, non. Ça, c'est pas mal. Là, on est sur les coupes féminines. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de choix. Du coup, je crois que je vais prendre ça. Ici, si je reviens ici. Bon, les yeux me conviennent. Il a les yeux en amande. Eh, bonjour à Gisou. Bienvenue à toi. Ouais, non, le modèle me plaît au niveau de la tenue. À la rigueur, je vais prendre. Ouais, quoique. Ouais, j'hésite, c'est entre celle-là. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, là, on est sur. Ah, noir, c'est. Ah, c'est pas mal aussi, ça. Allez, on va partir là-dessus. Et on va s'appeler, bien sûr, Soma. Je suis un monsieur. On va l'appeler la ferme des loulous. Ferme des loups. Est-ce qu'on peut faire comme ça, pardon? À première vue, oui. C'est parti. Êtes-vous sûr de vouloir créer ce personnage? Vous pourrez changer les vêtements et les coiffures plus tard, oui. Allez, c'est parti. On est chaud. On va voir un peu ce que ce jeu a dans le ventre. Je pense qu'on est. Alors moi, je l'attendais énormément, hein, même si j'ai déjà pu y jouer. Je pense que vous êtes nombreux à l'attendre, impatiemment. C'est parti, vous quittez Pokyo pour commencer une nouvelle ville sur l'île de Coral. Ah oui, comme vous avez pu le voir à l'écran aussi, le français est déjà présent. Hein. Ça, c'est cool. Je pense que le retour son du jeu est bon. Vous me direz ça? Non, le jeu ne sera pas gratuit, non. Je pense qu'il faut compter minimum 20 euros, voire jusqu'à 30, une fourchette entre 20 et 30 euros à mon avis. Hein. Alors, Connor qui nous appelle. Bonjour. Qui nous appelle. Qui nous accueille. Au secours. Bonjour Soma, c'est un plaisir de te revoir à Coral Island, ton nouveau chez toi. Ça fait si longtemps, Soma, c'est un plaisir de te revoir. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur ici. J'espère que tu as fait un bon voyage avec Monsieur Wataru. Oui, tout s'est passé à merveille. Je ne sais pas encore très bien ce que je veux faire ici. En fait, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. D'avoir déjà fait tout ça dans une vie antérieure, peut-être. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis cette réponse par rapport au fait qu'on ait déjà pu jouer, nous, au jeu, en avance. Je pense pas, quand même. Bon, on va dire que tout s'est passé à merveille, hein. Formidable, je n'en attendais pas moins de Monsieur Wataru. On ne peut pas rêver meilleur matelot. Ok. Ce long voyage a dû être épuisant. Allons voir ta nouvelle maison. Allez, on part direct dans le vif du sujet. Notre petit chez nous. Où il y a une autre personne. Bah, deux autres personnes qui nous attendent. Alors, Joko, pardon. Bien, on a fini les sols. Et Dinda. Oh là là, quelle coïncidence! Alors vous allez voir tout au long de ces premières minutes et heures hein, de jeu que les personnages ont tous un look très atypique que je trouve vraiment excellent. On retrouve ça nulle part ailleurs en général dans les jeux. Ils ont le caractère designer du studio hein, qui a créé donc les personnages, il a vraiment son style et je pense qu'on pourrait le reconnaître sur d'autres jeux à tous les coups, quoi. Il a vraiment un type de physique de personnage très distinct en fait. On vient juste de terminer de remettre cet endroit en état. C'est notre dernière recrue. Tout à fait. Soma, voici Dinda et Joko, les charpentiers de cette île. Ok. C'est un plaisir de te rencontrer, Soma. Bonjour, Soma. C'est toujours une joie d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île.
Bon, on a une petite maison plutôt sympa, qui est pas trop en ruine, hein, c'est cool. Bon, il manque un morceau de barrière là, mais absolument, Soma, ceci sera ta nouvelle maison. Elle est un peu délabrée, mais dans les 25 euros, je crois. Ouais, il y a des chances, Christophe. Ça coupe la poire en deux entre 20 et 30. Hein. Et bonjour, Fran, bienvenue à toi. Et coucou Isabella, bienvenue aux arrivants. Hein. J'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer surtout une bonne après-midi comme moi. Bonjour Akashin, bienvenue aussi à toi. Alors, on continue. Vous avez rien loupé, on est juste sur l'intro, on est arrivé en bateau, on a débarqué sur le quai où on a été accueilli par Connor, le maire donc. Et là, on vient d'arriver devant notre chez nous où il y a les deux charpentiers de la ville, Dinda et l'autre Co, je sais pas quoi là. Donc, pardon, monsieur, mère Connor, on aurait fait du mauvais travail, c'est ça? Elle est pas contente. Ah non, pas du tout. Ah, ça va. Ne t'en fais pas, je plaisante. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pu que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri. Si tu veux faire plus de rénovation, tu peux passer à notre magasin et maison à Hillside, au nord-est d'ici. Ok. Et bonjour Nico, bienvenue à toi. Et bonjour Céline que j'ai oublié. Au secours, que j'avais appelé Kaline la dernière fois. Mais ça la dérangeait pas que je l'appelle Kaline. J'aime bien ça, c'est un pseudo plutôt mignon Kaline. On fera ça gratuitement, mais tu devras nous amener les matériaux toi-même. Bon, normal. Une fois les fondations réparées, tu pourras décorer cette maison comme tu l'entends. On a mis des instructions dans ta boîte aux lettres. Parfait. Allez, il est temps de rentrer. À bientôt, vous deux. J'espère que j'ai oublié personne à dire bonjour, mais je ne pense pas. Bonne chance, Soma, et bon courage pour la suite. Alors, je vais juste vérifier une autre petite chose. Désolé, je fais des petits micmacs en direct. Voilà. On est parti. Alors, pour l'instant, on est entre guillemets à poil. On n'a rien du tout. Ils ont abusé sur la zone à nettoyer. Mais non, ça va le faire. T'inquiète, Beps. On a vu pire hein, dans les farm sims. Comme tu peux le voir, tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée ici et Sam encore plus. Tu devrais aller lui rendre visite quand tu auras un peu de temps. C'est le propriétaire du bazar en ville. Voici le champ dans lequel j'imagine tu vas passer la majorité de ton temps. Donc c'est effectivement un peu le bordel. Je pense qu'on... Ah! Effectivement, tu avais peut-être raison, Beps. Il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant, mais je suis sûr que tu vas le restaurer en un rien de temps. Et bonjour, Lynn. Bienvenue à toi. Le champ à déblayer est énorme. Une fois tes moissons récupérées, tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avant tout ce que tu as d'autre à revendre. Bon, ça c'est classique, hein, tout le monde connaît ça. Le contenu sera envoyé au magasin adéquat en ville et tu recevras tes profits le jour suivant. Ouais, t'avais raison, Bebs. C'est impressionnant. Bon, je vais te laisser te reposer un peu maintenant. Quand moi j'ai joué au jeu, il y a plus d'un an de ça, c'était pas comme ça, hein. Ah, comme tu viens d'arriver, j'imagine que tu n'as pas encore de quoi commencer à travailler. Voici un petit cadeau de la part de toute la ville. Nos outils. C'était pas comme ça qu'on démarrait le jeu à l'époque, hein. On a obtenu un arrosoir, une hache, une faux et des graines. Ok. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, je suis là. Viens me voir si tu as des problèmes, des questions ou du bon saké. Bienvenue chez toi, Soma. Merci. Facile pour Soma en mode farming. Ah oui, c'est clair, oui. Easy peasy, quoi. Donc, nouvelle quête, début. On doit planter 10 graines. Alors, vous voyez des petits problèmes de trad, hein, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, interface, les loulous. Nos PV, notre stamina, notre petite quête, le moment de la journée, donc le jour, la saison. Ah, les musiques sont géniales. L'heure, notre argent. Peut-être le type de temps ici, nuageux, ensoleillé. Et donc, ici, je vais changer 2-3 trucs. Vous commencez à me connaître. La bêche. Tac, 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 tac. Ça, c'est quoi ça? Graines d'arbre en canne. Graines de navet. On a déjà les graines pour faire ce qu'on veut. Alors, tant qu'on est dans les menus, on va regarder. Donc, page d'inventaire avec notre inventaire. Vous voyez qu'on a nos slots de raccourci plus 5 cases.
Donc en fait, on a 15 slots. On a un sac à dos de 5 pour le moment. Notre équipement, des améliorations. Voilà, ça je connais pas. Bon, notre petit perso, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ici, donc les stats par rapport au jeu. Voilà, c'est une espèce d'encyclopédie en fait, hein, de tout ce qu'on va faire découvrir. Notre quête principale, les secondaires et les quêtes terminées. Hop, la construction. Bim. Pour personnaliser un peu, déjà on peut se faire des coffres, ça c'est cool. Donc l'inventaire on a vu, la map. Hop, je vous montre un peu la map du jeu. Donc le gros de la ville, ici, nous on est là. Il y a un grand lac ici auquel on n'avait pas accès, moi quand j'y jouais. La plage, l'observatoire, je ne sais plus d'où on va pouvoir plonger. Mais c'est ici, voilà, où on n'a pas encore découvert. Donc voilà, il y aura de quoi faire en termes d'exploration. Les relations avec les PNJ. Donc on a déjà rencontré trois personnages. Quand on clique sur un perso, on a ce qu'il aime pas, ce qu'il aime. Un petit descriptif ici. On peut voir, mais on ne les a pas encore vus. Je pense qu'il faudra les parler aux PNJ dans les bonnes saisons pour voir un peu les nouvelles tenues, etc., etc. Par contre, comme vous pouvez le voir, hop. Voilà, le système de cœur, il est présent. Maintenant, je ne sais pas comment il fonctionne vu que la prochaine mise à jour, donc pas celle de... Alors attendez, c'est celle de printemps qui va rajouter les cœurs. Mais comme la trad française est un peu bizarre, voilà, est-ce qu'on a accès qu'aux 5 premiers et les 5 suivants viendront plus tard? On verra bien. Et donc enfin, on a tout ce qui est compétences. Ce qu'ils appellent les maîtrises. Voilà, on regardera ça au détail bah, quand on commencera à gagner des points. Alors ici, ah, le jeu est en QWERTY. Ok. Bon, j'ai pas rebind mes touches, hein. Tu dois réparer ta maison avant de pouvoir commencer à décorer. Ok. Alors, notre courrier. Soma, afin de réparer votre maison, nous avons besoin que vous récoltiez des matériaux. Veuillez les collecter. 50 bois, 20 pierres, cela devrait être le cas. Après avoir tout ramassé, rendez-vous dans la boutique de menuisier, créez une commande au comptoir pour que nous puissions commencer à travailler. Ce travail sera le même jour. Se fera, pardon, le même jour. Waouh. Ok. Donc on a une nouvelle quête, donc on va attaquer, hein. On va commencer par la pierre. Allez. Et puis on va commencer aussi à planter nos graines, hein. Ça, c'est peut-être à la faucille. Ouais, c'est ça. Donc il y a des ordures. Vous verrez qu'il n'y en a pas que dans notre champ, mais il y en aura aussi ailleurs. On a trouvé un coffre. Nouvelle découverte, un coffre. Apporte-le au forgeron pour l'ouvrir. Tu trouveras peut-être des objets de valeur à l'intérieur. Ok. Alors combien je récupère de pierres? Deux par deux? Mince. Alors, il y a une cave, on est sauvé. Ouais, il y a un, ouais, il y a une espèce de sous-sol, ouais, à l'extérieur. Un peu comme les Américains, ils ont dans leur maison. Alors, niveau stamina, alors j'ai dit des bêtises tout à l'heure. La première jauge, en fait, c'est la stam, j'avais pas regardé les logos. Et la seconde, c'est la vie. Donc, il y a un effet de transparence derrière les arbres, ça c'est bien. De la pierre, j'en ai que 10 pour le moment. C'est tout. J'ai que 10 pierres. Enfin, 11 maintenant. D'accord. Ça, hop. On ramasse. Ouais, faut bien que je nettoie leur bordel, ouais, c'est clair. On va essayer de se faire les 20 pierres, hein. Ensuite, on passera sur le bois. J'en suis à 17. Bon, là, je passe pas. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, le bois, justement. Par contre, si je pouvais taper sur le rondin, ce serait mieux en fait.
Le bois, ça va être très long. On a eu 14 de bois sur un arbre qu'on a eu du mal à couper, mais bon. Et 7 de plus sur le tronc, c'est pas mal. Bonjour Joël, bienvenue à toi. Alors, on est à 27 de bois. J'aimerais aussi quand même faire mes cultures. Avant que j'ai plus de stamina pour le faire, j'ai juste abattu cet arbre. Ok. Alors, il va falloir qu'on bêche. Donc, je dois mettre 10 graines. On va faire un... Un 2 sur 5. Voilà. On va planter les radis. Ok, on va arroser. Ok, comme ça j'aurai assez de stamina. Donc récoltez votre première récolte et visitez la boutique générale de Sam. Ok. Ça marche. On va continuer à faire du bois. Est-ce qu'on va pouvoir faire les 50 de bois avant de tomber en rade? L'énergie. Ça va être compliqué, hein. Ah, il vaut mieux éviter de tomber à zéro. C'est bon, on a ce qu'il faut. On est 11h30. Donc on va aller en ville. On va aller voir les menuisiers. Inventaire complet. Mince, dommage. Vous voyez, il y a des petits trucs à ramasser. Alors graphiquement, le jeu est vraiment joli. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas photo. Donc la ferme à l'ouest, la ville à l'est, au sud, l'endroit pour plonger. Diving, je crois que c'est la plongée. Hein. Faudra une meilleure hache pour les souches, je pense. Ah oui, mais bah non, en fait. C'est passé comme, comme crème. Alors du coup, bah, on va inspecter un peu, on va visiter un peu tout ça pour voir un peu ce qu'il y a à débloquer à droite à gauche. Et surtout, il faut qu'on trouve les... menuisier, donc Joko il est là. Et où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc il y a. Oh, bah voilà un premier PNJ. Alice, est-ce que c'est toi, Soma? Waouh, j'ai failli ne pas te reconnaître dans cet accoutrement. Oh, alors c'est toi qui emménages dans le lotissement, hein, ça? Alors vous voyez, il y a des petits problèmes de trad encore. Hein. Ça expliquerait la tenue. Voilà, on a rencontré Alice. C'est vrai, ce n'est pas que la ville, tu sais, l'auberge n'est plus aussi fréquentée qu'avant. J'espère que ton arrivée sera quelque chose de positif pour tout le monde. Ok. Ici, on a un autre PNJ. Eva. Alors, elles sont mignonnes, hein? Oh, enchantée. Je m'appelle Everest. Eva, pour faire plus court. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est une très bonne question. Peut-être l'hôtel de ville ou... C'est super beau les intérieurs, c'est très détaillé. C'est classe. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a personne. Petit truc là. C'est Coral Island et ça c'est l'âge jeté. Non, je peux pas zoomer. La caméra est bloquée, hein. Je peux pas rotate, je peux pas zoomer. C'est une vue fixe, hein, comme Stardew Valley, quoi. Soma drague déjà. Bah ouais, tant qu'à faire, attends, on passe laisser abattre. Hein. Vous êtes ici. Bah du coup, je vois pas ce qui est marqué là. Bon, c'est pas grave. Le musée. Je peux pas interagir.
Ah, ici on a une ferme ou un vigneron ou quelque chose comme ça. Taco, il a l'air heureux. On a fait la rencontre de Taco. Brie, oh, c'est toi qui viens de t'installer à la ferme. Au début, j'ai cru que tu allais me faire de la concurrence, mais je n'ai rien à craindre apparemment. Sympa. Walter, bien, bien, bien. Ce ne serait pas à toi qu'appartient le terrain? Ou devrais-je dire la ferme? Bah, si. Alors, est-ce qu'on peut rentrer chez eux? Apparemment, oui. Alors, c'est pareil, à l'époque où moi je jouais, donc il y a plus d'un an de ça, hein, on pouvait rentrer dans quasiment aucun intérieur. Les intérieurs n'étaient pas faits. Et bonjour Chris, bienvenue à toi. Et bonjour Shadow, Shadow Shade. Oui, c'est super joli, Joël. Et c'est vrai que ça a l'air très grand aussi. C'est fermé. Donc là, je me trouve ici. Ok, donc là, il y avait deux habitants. Donc ça nous dit en fait, voilà, là, il y a un habitant, là, il y a un habitant, là, il y en a deux. Je vais aller voir ici, si je peux. Ah, attendez, hop. Donc je peux pas ramasser tout ça, hein, ça se ramasse, mais là, je peux pas, j'ai l'inventaire qui est plein. Alors, on va aller voir l'un des deux PNJ qui nous a accueillis tout à l'heure. Il y a des choses simples que tu peux fabriquer pour améliorer ta ferme, comme des épouvantails ou des lampadaires. Donc c'est pas ici. Pas la peine, ça ne bougera pas. Coucou Shaden, comment vas-tu? Ah, c'est pareil, je peux pas le ramasser ça. Ouais, ici c'est un dépotoir. Donc il nous faudra le filet à insectes, hein, pour attraper les insectes. Parce que oui, normalement, on pourra attraper les insectes sur le jeu. Hein. Donc ici, il n'y a rien. Bon, ce sera peut-être une zone à nettoyer. Donc, pour aller ici, il faut que je repasse par le bas. Je peux aller voir ici. Donc là, je suis en mode course, là, je suis en mode marche. La course est activée de base. Petite musique qui se relance. C'est censé ressembler à ça, on dirait qu'il manque quelque chose. Ce sera ton prochain défi. Ouais, c'est clair, hein, Beps. Tout nettoyer. Donc ici, on est chez le forgeron. Ah bah, on va peut-être pouvoir ouvrir notre coffre. Alors, il est là. Que puis-je faire pour toi? Traiter la géode ou le coffre? J'avais pas vu. J'ai eu du verre. Ok. Ça m'a coûté 20. Donc on a fait sa rencontre. Magasin. Donc il vend des minerais. Très bien. Et j'imagine qu'on peut lui parler. Je m'appelle Raphaël. Je suis l'un des forgerons de Starlet City. Et on pourra améliorer nos outils. Donc moyennant l'outil précédent, du bronze, des barres de bronze et du bois. Et moyennant finance, bien sûr, ce qu'on ne peut pas faire pour le moment. Ok. Ça, c'est cool. Alors, le charpentier, c'est la maison au-dessus de Joko. Alors, évitez trop de me spoil aujourd'hui. J'ai pas trop envie de, comme vous me disiez à l'avance, ce qu'il faut que je fasse, où se trouvent les choses. Ce serait vraiment sympa. Et bonjour, Juju, du coup. Bienvenue à toi. Ça fonctionne comme dans Stardew. Oui, ça fonctionne comme. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme dans Stardew, hein, de toute façon. Donc, je pense qu'on sera pas trop dépaysé. Donc, ici, il y a 6 habitants. Il y a des petits points d'interrogation à découvrir. Allez, bon, on va y aller tranquillou. Hein. Alors, Pablo, tu dois être Soma, pas vrai? La vache, je ne m'attendais pas à ce que tu ressembles à ça. Pas mal du tout. Merci. Hop. Emma. Les rumeurs étaient donc vraies. Bienvenue en ville.
On a un nouveau scientifique en ville le mois dernier aussi, je ne me souviens plus de son nom par contre. En tout cas, j'espère que tu te plais ici. Ouais, ça va. Valentina. Bonjour, monsieur Soma. Joli pour vous rencontrer aussi. Je suis Valentina. Bonjour, Valentina. Alors, il y a un autre. Donc, ça doit être l'école. Zoé. C'est à toi qu'appartient cette ferme? Je jouais là-bas avant avec mes amis. Bah ouais. Interagir. Ok, je peux juste faire ça. Toi, je te connais pas, si. Erika. Hey you, is this your new neighbor? Et hey, toi, tu es notre nouveau voisin? Voilà, il y a encore des petits problèmes de trad aussi. Ah. Bon, on va dire ça, hein. Oui, il est mon mari. Vous savez quoi? Vous devriez vous arrêter par notre maison quelque temps. Franck 2, nous cuisiner. Gauche, ça a l'air merveilleux. Oui, vous pouvez nous raconter votre histoire. Bon, ouais, y a la trad FR, elle est un peu bancale, hein. On va pas se cacher. Le taf qu'ils ont fait sur l'alpha a été dingue. Vivement ce jeu sans horrible des saves tous les 2 mois. Ah bah là, il n'y a plus de soucis normalement, hein, chez Den. T'es passé voir Joko en premier, c'est pas du spoil. Bah oui, mais je suis pas censé savoir que le truc des menuisiers est au-dessus en fait. Il est là, je suis pas censé savoir que les menuisiers sont. Bon, en même temps, c'est marqué. Ah, c'est vrai que c'est marqué, donc bon. Mais je l'avais pas vu. Donc. C'est pas Joko qui me valide la quête, du coup. Hein. C'est l'autre. Hein. Je m'appelle Arondi, je suis professeur à l'école primaire. Tu t'appelles comment déjà? Soma. Il n'y a plus personne ici. Ok. Bon, de toute façon, on va faire un gros tour de la ville. Bon, il est déjà 17h par contre. Donc, on fera pas tout aujourd'hui, mais le but, c'est de rencontrer un peu tout le monde. Hein. Alors, si je pars par là, j'atterris où? Je fais un tour comme ça. Si je veux revenir ici, ok. Bon, on va aller le voir, le menuisier, comme ça, ce sera fait. Faut que je visite la boutique générale aussi. Alors, vu qu'on a les infos sur les zones. Magasin général. Ok. Bon, au moins, on cherche pas pendant 1 heure. Si on veut aller à un endroit précis, on a l'info. Même quand on n'y a jamais été. C'est pas plus mal. Donc, on va aller lui rendre visite. Oh, y a un petit panneau de calendrier. Ok. Donc, on est ici. Et le 4, donc j'imagine que c'est les anniversaires. Il y aura 2 événements apparemment dans le mois. Ok. Ah, attendez. Ben. Oh, un nouveau visage. Je ressens de vraies bonnes vibrations venant de toi. Et bonbon. Bois de ouf. Bois de ouf, ça veut rien dire. Ça fermait à 17h. Eh ben tant pis. Et à mon avis, les menuisiers. Il y a peu de chances que je les re-rencontre. Éléanor, je disais au maire que personne ne voudrait visiter l'île tant qu'on ne serait pas débarrassé du goudron sur la plage, mais tu m'as donné tort. Bienvenue dans la communauté. Et puis bah Joko qui rentre du boulot. Ça c'est qui ça? Shaem, c'est toi qui viens de t'installer, hein? Si tu me laisses tranquille, tout se passera bien entre nous. Oula. Voilà, rigole pas la dame. C'est fermé. Ok, et eh bien on ira sur la journée, prochaine journée. On va rentrer tranquillement à la maison. J'ai plus de stam de toute façon. À voir si je peux me faire un coffre, mais je suis pas sûr. Alors je peux me faire un coffre, mais il faudra que je refarme du bois. Mais si je le craft, j'ai pas de place en fait. Eh oui, mon inventaire est plein. Il va falloir que je jette quelque chose. Sablo ressemble aussi à Maitama de Portia et compagnie. Ah bah oui, c'est des farm sim, hein, Shadowshade. Donc oui, c'est tout à fait, ouais. Tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est le même principe. Alors, est-ce que je commencerai pas à revendre des petits trucs? On peut pas tout mettre. Placer tout, clic gauche, ok.
Ça aussi. Les déchets, on verra bien. Ok. Et bien comme ça, je vais juste. Non, on n'avait pas de coffre à l'intérieur, hein. Donc on va faire un coffre. Allez. Ah! Ramène-moi les ordures. Faut des ordures pour faire un coffre. C'est pas mal ça. Tac 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 tac. Fabriquer un. Pourquoi je ne peux pas? Ah si, d'accord. Ok. À la Stardew. La carte est bien faite et claire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Renaud. Il est très beau. Oui, je suis totalement d'accord aussi. Le jeu est vraiment joli. Mettre ça là. Impossible. Ah oui, on m'avait dit d'abord qu'il fallait que je répare mon sol, enfin mes fondations, avant de pouvoir décorer. Et j'imagine que mettre un coffre, c'est de la décoration. Bon, bah on va aller se coucher. On va refaire du bois. Donc on a gagné 20. 9 en forage, 11 en autre. Ok. La sauvegarde se fait au changement de journée. Je pense pas qu'on puisse sauvegarder quand on veut. Non. On a un courrier. Ah. Alors, alerte de nouvel élément. Donc, introduction au sac basique. Il y a un total de 20 compartiments. Ok, à la boutique générale, pour 500 coins, on pourra agrandir notre sac. Très bien. Alors, le coffre, on peut le mettre à l'extérieur, mais moi, j'aimerais bien le mettre dans la maison, donc ça ne m'intéresse pas. On va arroser. J'aurais pu planter mes 5 dernières graines en même temps aussi, hein. Allez. Ça m'aurait fait un slot de libre. Ok, donc après, alors visiter le menuisier, c'est validé malgré que j'ai utilisé du bois. Je vais quand même en refaire du bois parce qu'à la base, il en fallait 50. J'ai plus les 50. Bon, je voudrais pas arriver sur place et me faire jeter parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ça va être rapide à faire. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de contenu à la sortie en Early Access mardi? Bah, y en a suffisamment pour qu'ils sortent en Early Access. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire, mais clairement, il n'y a pas tout non plus. Ça, il faut bien en tenir compte. Ah ouais, peut-être, Shaden, bah, tu me tiendras au courant, tiens. Justement. Oui, le coffre ici, c'est pour vendre, Christophe. On dépose les choses, elles sont récupérées la nuit, je pense. Vous voyez? C'est le petit tableau récapitulatif avec les sommes d'argent que j'ai eues tout à l'heure pendant la nuit, quand on a été se coucher. Ben, c'est la vente qui se fait de nuit. Il y a des farm sims où ça se passe comme ça, c'est pendant la nuit que ça se fait. Il y a d'autres farm sims où c'est le matin, un PNJ qui vient ramasser dans le coffre les choses et qui l'échange contre de l'argent, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Ok, j'ai eu de la ferraille. Très bien, normalement j'ai mes 50 de bois, on est bon. Eh bien on va aller revendre. Est-ce que j'ai une slot d'inventaire? Oui. On va aller voir les menuisiers et la boutique générale, du coup. C'est deux choses que j'ai à faire. Toi? Valentina, oui. Mon nez est démangeaison. Je ne sais pas s'ils ont fait du Google Trad pour les trads, justement, mais bon. C'est pas exceptionnel quand même les traductions, il y a pas mal de petits soucis. Hein. Autant à Emily. Oh, une nouvelle tête. Donc quelqu'un a vraiment emménagé ici. Hein. Il fallait que je te voie pour le croire. 9h et il est 8h10. Toi, je t'ai déjà rencontré, je crois. Alors elle, je la trouve vraiment jolie. Alice. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, en attendant qu'il soit 8h, il est
8h20, je rentre dans l'inventaire, on va voir si le temps passe quand on est dans l'inventaire. Et du coup, on a déjà rencontré tout ça, et il en reste beaucoup, hein. Il y a beaucoup de PNJ. Hein. Donc si je prends Alice, Alice dirige l'auberge, entre ses lectures, elle aime discuter de phénomènes inexplicables et en étudie un peu plus à l'université. Elle est née le 27 en hiver. D'accord. Il y en a une autre aussi qui m'a un peu marqué. Alors, on ne sait pas quels sont les célibataires des non-célibataires. Pour le moment, je ne vois pas de différence. Mais j'ai trouvé sympathique, c'est Eva aussi. Eva aime parler aux insulaires, locaux, nouveaux, visiteurs, tout le monde. Et de bons amis avec beaucoup d'entre eux. Un boulanger talentueux. D'accord, c'est la boulangère. Et donc, le temps a pas l'air de... Enfin, qu'il était 20, là, il est 30. Le temps passe assez lentement, hein, regardez. 8h40. Ouais, ça va. Hein. Bon, bah, on va attendre. Alors, je pense que visiter la boutique générale de Sam, c'est peut-être après notre première récolte, mais on va quand même aller lui rendre visite. Ouais, tu as joué en anglais, ouais. Ouais, bah, bon, je fais profiter du français quand même. Dinkum est très bien, mais Dinkum c'est légèrement différent. Là on est sur un vrai farm sim. Dinkum c'est dans la catégorie des life sims, à la Animal Crossing ou comme les Sims en fait. Hein. Bon même si les Sims c'est encore complètement autre chose, mais... Alors, eh ben voilà. Hey Soma, je savais que vous finiriez par vous frayer un chemin ici. Je voulais vous présenter personnellement le propriétaire de cette boutique. Il s'agit de Sam. Il gère cet établissement depuis un moment. Bonjour Soma, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bienvenue dans la boutique générale. Et bienvenue à tous les arrivants hein, qui ne se manifestent pas sur le chat. Mais je sais que vous êtes là, je le vois. Hein. 48 personnes en live, c'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Donc vous trouverez ici la plupart de vos besoins agricoles. La plupart des graines que je vends sont saisonnières. Il serait bon de garder cela à l'esprit. Le jeu est très propre et agréable à jouer. Ouais, pour l'instant, c'est nickel. En dehors des trades FR qui sont un peu bancales, franchement, le reste, tout est clean. Hein. Si vous avez besoin d'aide, juste creux. Alors voilà. Si vous avez besoin d'aide, juste creux, je serai à la caisse enregistreuse. Donc, juste creux, ça veut rien dire. Je sais pas ce qu'il voulait dire, mais peut-être parce que si on a faim ou. Eh bien, c'est. N'est-ce pas si gentil, Sam? Vous pourriez enfin mettre un coup dans ce stock de graines de la voie. Ouais, les trades FR sont terribles. J'espère qu'ils vont corriger. Hein. Quoi qu'il en soit, avant de partir, Soma, votre déménagement était tout à fait inattendu. Je suis sûr que beaucoup de gens sont anxieux, plus curieux de voir qui est le nouvel agriculteur. Pourquoi ne pas aller de l'avant et vous présenter aux gens de la ville? Et j'ai commencé déjà en fait. Rencontrer des tours. Des tours, ça n'a aucun sens. Alors en fait, Tony, pour les habitants, ils ont traduit ça tour. Je vois pas le rapport. Même si je suis une buse en anglais, je vois pas trop le rapport entre Townie et Tour. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Bonjour Soma, content de vous voir ici. Tu cherches les graines les plus rentables? Je te suggère de planter ce que tu veux et le reste suivra. Alors justement... Ça, c'est notre boulangère de choc et de charme. Ah, c'est peut-être sa femme, en fait, hein. Alors, améliorer le sac, on savait que ça coûtait 500. On nous l'a dit dans le courrier. Et magasin. Alors, je peux revendre mes tulipes pour 15. Oh, ça va être intéressant de les ramasser, ça. Et donc, est-ce qu'on commencerait pas à planter des choses? On est au printemps. Alors, les marguerites plantées au printemps poussent dans 4 jours. Les navets, on en a planté. Les graines de pommes de terre, 5 jours. Sept jours. Chou-fleur. Ok. Il vend aussi un peu de compo. Très bien. Tu peux changer la vitesse du jeu dans les options de base. C'est à la vitesse minimale 50%. Non, je crois avoir vu 100% le réglage de base en faisant les options ce matin. Et bonjour Patricia, bienvenue à toi. Coucou Elfette, je crois pas t'avoir dit bonjour. Il y aura peut-être un patch Day One. Il y en a déjà eu un ce matin, tout à l'heure. Il y en aura certainement un mardi, oui, avant le lancement, oui.
Dommage, Thomas, elle est mariée. Oui, apparemment. Tant pis, c'est pas grave, hein. Ok. Eh bien, j'ai envie d'acheter. On va acheter 5 et 5 et 5. Allez. Ok. Ah oui, mais je peux pas en fait. Il me rachète rien d'autre. J'ai plus de place en fait. Bon bah c'est pas grave. On va planter des patates. Bah du coup, je vais acheter. On va acheter 10 patates. Voilà, on va planter 10 patates. Et on va aller voir les menuisiers. Ah oui, je fais clic droit. C'est pas comme sur Disney Dreamlight Valley où on peut forcer en avançant sur dans les habitations en voulant ressortir. On peut maintenir le bouton avancer et on sort automatiquement. C'est pas le cas sur Stardew Valley, faut que je me calme. Donc je suis où moi? Je suis ici. Faut que je remonte. Vous, je vous ai déjà parlé. Surya. Ah, c'est toi, Soma. J'ai entendu parler de toi par mon oncle Joko, le charpentier. Tu ne vois pas? Grand avec une moustache. Bah, si, je vois, ouais. Laissez-moi passer. Hey, coucou, Ava. Bienvenue à toi. Mon mag ne s'est pas affiché. Ton message. Ah. Bah bonjour à toi. Là, ça s'est affiché, pas de souci. Du coup. Charpentier. Comment j'y vais à cette baraque là en fait? Il y a un petit. Oh, bah non, j'ai pas la place. Ah, attendez, faut que je redescende là. Ok, la maison des charpentiers, elle n'était pas au-dessus en fait de quand je l'ai croisée tout à l'heure, elle était en dessous. Ah si, il était là, la maison était juste là, ouais, tout à l'heure. Bah ouais. J'ai même pas vu le panneau en fait. Je suis aveugle comme d'habitude. Alors, quête mise à jour, réparez votre maison. Alors. Donc, que puis-je faire pour toi, charpentier? Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut acheter un poulailler, une grange, une écurie, un puits, un moulin et un silo. Ok. Magasin. Elle vend du bois, de la pierre, un cal. Alors, un calendrier. Je vois pas l'intérêt, mais ok. Peut-être qu'il s'affiche sur le mur. On peut le poser sur un mur. Amélioration de la maison. Donc, on a les ressources. Ça nous coûte pas d'argent à première vue. On est à l'étape 0. Génial, merci, je m'occupe tout de suite. Donc je m'en occupe tout de suite. Et on nous avait dit que c'était fait dans la même journée, je crois. Joko, mon chéri, changement de programme. Soma est de retour avec tous les matériaux. Alors, allons réparer la maison. Ok, nice. Eh ben, c'est pas grave, Bebs. Bon après-midi à toi. Medieval Dynasty, je travaille tôt demain. Merci à tous. Ben bonne fin d'après-midi, bon jeu sur Medieval et bon courage pour demain. Ouais, moi c'est pareil, je commence tôt demain, je me lève à 5 h. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bientôt les lunettes, Soma. Alors les lunettes, je les ai déjà, mais j'y vois quand même pas du tout en fait. Est-ce que les graphismes vont être aussi beaux sur Switch? Bah j'espère pour ceux qui vont jouer sur Switch, je sais pas du tout. Ça, je peux pas te dire, Elfette. Allons-y. Allez, go réparer la maison, que je puisse poser mon coffre et commencer à stocker des choses. Dinda et Joko se mettent à réparer ta maison. Qu'est-ce que tu en dis? C'est déjà plus confortable, non? Bien, maintenant c'est l'heure de mettre tes affaires à l'intérieur. Ah oui, c'est mieux. Une petite armoire. Une commode. Un coup de balai. Et un petit tapis. J'ai pas de table encore. Une télé. Ah bah ça va, il m'équipe bien quoi. Cool. Pfiou, cette vieillerie était vraiment très lourde. On a terminé. Qu'est-ce que tu en dis, Soma? Ça a l'air tout neuf, merci. Hey, vraiment, je pense qu'on peut faire encore mieux. Regarde, fini le bois moisi. On a tout remplacé. Et on a aussi construit de nouvelles fondations pour la maison. Ça veut dire qu'elle est assez solide pour avoir plus de meubles maintenant. Tu peux commencer à la décorer. Pour être plus à l'aise. Et en parlant de ça, on a un magasin de meubles en ville.
Mais on vend beaucoup moins de choses depuis que le nombre de touristes a diminué. Les acheteurs ont disparu, quoi. Mais viens donc y faire un tour, tu y trouveras peut-être quelque chose d'intéressant. Si tu veux, on peut y aller, Matt. C'est bon, ça suffit, tu vas l'effrayer. Oh, pardon, Soma, je me laisse emporter. On adore ce magasin, on a même des cousins qui y travaillent, c'est une affaire familiale. N'hésite pas à venir y faire un tour quand tu auras le temps, Soma. Il est au centre de la ville, tu n'auras pas de mal à le trouver. Bah, pas de souci, hein. Bien, c'est tout pour. Tu n'as rien oublié, chérie? Ah, réfléchis bien, hein. Ah oui, la télé. Alors, il sortira sur Switch, je pense, quand le jeu sortira en version complète. Donc à la 1.0, et comme dit Juju, ouais. Comme on a vu que déjà dans les mises à jour en cours d'Early Access, il y avait des mises à jour prévues jusqu'à l'hiver prochain, donc 2023. Bah, au plus tôt, je pense que ce sera début 2024, hein, pas avant. Hein. Et oui. On a décidé de te donner une télé aussi, Soma, totalement gratuite. Elle est vieille et un peu encombrante, mais fonctionne parfaitement bien. Et elle reçoit plein de chaînes aussi, comme la chaîne météo. Enfin, normalement. Enfin, parfois il faut lui taper dessus avec un angle de 60 degrés comme ça. Il y a plein de chaînes très utiles, comme le bulletin de la chaîne météo, ça te permet d'éviter d'arroser les jours de pluie, et de plutôt aller à la pêche ou un truc comme ça. Je ne sais ce que tu fais dans ton temps libre, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y a des émissions de divertissement aussi, j'en suis fan. Certaines émissions ont même des conseils super utiles si tu écoutes bien. Bon, c'est tout pour l'instant. À bientôt, Soma. À bientôt, Soma. N'oublie pas le magasin de meubles, ok? Hey. Donc je pense qu'ils vont nous donner la météo pour le lendemain. Hey, coucou Gargouille. Oh, ça fait plaisir de te voir. Je sais que t'es un peu débordé, hein, donc ça fait plaisir que tu passes sur le live. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Hein. Tu sais pourquoi, voilà ce que je veux dire. Et puis merci pour les dernières infos que tu nous as fait passer d'ailleurs. C'était cool. Prévision météo. Bienvenue sur WBC, votre source de nouvelles concernant la météo. Les prévisions couvrent l'île de Coral et les environs. Prévision météo pour demain, mouillé, pluie. Ben nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment devenir fermier? Comment être agriculteur avec Jeff Smith? Je m'appelle Jeff Smith et je sais quelque chose à propos de l'agriculture. J'ai été élevé dans une ferme, j'ai donc eu quelques conseils pour vous. Germe, laissez-moi vous en parler. Je vais vous dire la première chose que ma pop m'a racontée. Oh, il y a des trades. Quand j'ai planté mon premier maïs en 1900, blablabla. Arrosez votre récolte tous les jours, c'est ça, vous arrivez, il y a des chances que vous en fassiez des germes. Vous n'avez pas besoin d'eau quand il pleut, vous entendez? Ouais, on s'en doutait un peu. Et achat de corail. Bienvenue sur Coral Shopping. Ah, il y a un téléshopping. Set d'assaisonnement. Ramassez ce set d'assaisonnement aujourd'hui. C'est un moyen facile d'épicer vos cuisines, disponible dès maintenant chez Socket & Pan pour 3. 3 000. D'accord. Au secours. Alors ça, c'est pas un meuble de stockage. Ok, donc on va mettre notre petit coffre. Que je peux pas mettre à l'intérieur en fait. Donc depuis le départ, j'aurais pu le mettre à l'extérieur. C'est dommage ça. Bon, bah on va le mettre à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Petit week-end, j'ai ma fille, donc tranquille. Ah, c'est cool. Ah ouais, je vais voir mon fils dans 15 jours. J'ai hâte. Parce que ça fait déjà un mois que je ne l'ai pas vu. Et je peux vous dire que c'est le temps est long. Bah, je vais mettre mon coffre ici. Et donc on va mettre ceci, ceci. Ça, je sais pas si on peut le planter en fait. Non, ça, je voulais pas le mettre. Ça et ça. Et puis bah ça. Ok, donc on va refaire un petit 2 sur 5. On va faire comme ça. On a la patate à planter. On va péter ça pour avoir un peu de détritus, vu qu'apparemment les détritus servent dans certains crafts. Ok. Oh, encore un coffre. Et on arrose.
On va aller re-remplir l'arrosoir. Impeccable. Et ouvrir le... Alors, ouvrez le journal pour réclamer la récompense. Ah! Voilà, je vais gagner des cœurs. Et 100. Ok. Rencontre. Donc là, il m'en manque 8. Et ici, il me manque juste de récolter ma première récolte. Effectivement. Et du coup, j'ai gagné des cœurs avec certains personnages ou... Pas trop compris le système des deux cœurs là dans la récompense, mais ok. Et sinon ici, pour l'instant on n'a pas de points. Par contre, vous voyez que les jauges hein, commencent un peu à monter en forage, en extraction. On commence à prendre un peu d'XP. Ok, d'accord. Bon, bah moi j'ai envie de retourner en ville et d'essayer de continuer de rencontrer du monde. Je comprends, moi c'est un week-end sur deux et la moitié des vacances. Bah moi ça va être, pour l'instant c'est parti sur un week-end sur un mois, quoi. Un week-end par mois, donc c'est pas beaucoup, mais la distance, tant que je vais travailler avec mon travail actuel, je pourrais pas faire autrement. Et encore là j'y vais dans 15 jours parce que j'ai pu poser une journée. Sinon je pourrais pas en fait. Archie, c'est vraiment toi qui viens de t'installer ici? Papa a dit que tu travailles à la ferme, c'est vrai? Tu as quoi comme outil pour travailler? Ok, je te crois, mais pourquoi on ne dirait pas que tu travailles à la ferme? Oliver, mon nom? Mon nom est Oliver, pourquoi? Par contre, j'ai pas l'affichage de la rencontre. Mon oncle Surya est nouveau ici aussi, comme toi. Bizarre, alors j'étais à 22. Je les avais déjà rencontrés, les quêtes. Les quêtes. La pistée. On est à 24, ils ont compté. Ok. Toi. Randy. Tu te connais déjà. Alors, où est-ce qu'on n'a pas été? Il y a potentiellement du monde ici. Donc il faudrait que je passe par là. Tu avais joué à l'alpha du coup ou juste test au début et puis c'est tout? J'avais juste test au début de l'alpha chez Nen et c'est tout. C'est pas facile les gardes. Non, c'est pas facile, non. C'est pas ta vie, Soma? Comment ça, c'est pas ma vie? Je te suis pas, Elfette. Alors. J'ai encore un peu de mal à m'orienter. Il y a trois personnes ici. Il y en a potentiellement une là. Ah, il y a un chat. Ok. Joli minou, Butter. Et ici, on a la clinique. Avec le toubib. Charles. Oh, salut. Atchoum. Ah, le printemps, ce n'est pas le meilleur moment pour emménager ici. Donc, on est à 26. J'ai juste plus le message de la rencontre qui s'affiche en fait. Mais sinon, en dehors de ça, ça va. On a le barbier ici. Salon de coiffure. Alors, vous, je vous connais les filles. Erika, ok. Et. Donc, toi, tu travailles ici. Ah, je peux pas te parler? Ok, on peut redesign. Mais je peux pas te parler à toi. Alors j'adore la bande son aussi. Ouais, c'est sympa de pouvoir se relooker si on veut. Donc là, on va aller voir ici là. Ouais, eux je les connais. Là je les connais pas. Vous voyez, il n'y a pas toujours le tooltips qui s'affiche correctement. Là j'ai pas l'info là. Là vous voyez, il est censé avoir deux PNJ mais. Donc là, c'est à vendre, mais le deuxième, j'arrive pas à lui parler. Ouais, j'ai pas les petits dialogues. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Ton perso est juste trop beau. Merci. Merci, Ava. Les deux cœurs que tu as eus en récompense, c'est pas pour augmenter ta vie.
J'avais combien de PV? J'étais à 400 ou j'ai gagné plus? Ah, je sais pas, peut-être. Il y a tout ce qu'il faut dans la ville. Bah, ça a l'air, ouais. On va aller voir la maison en bas, là, où il y a trois personnages qu'on connaît pas. Fish and chips. Ah, c'est pas mal. Il y a encore un chat. Peanut. Alors, effectivement, toi, je te connais pas. Ratti, merci pour ta visite. Je peux faire quelque chose pour toi? Non. Noah, tiens, salut, pour être honnête, tu ressembles pas à l'idée que je me faisais de toi. Et Franck, waouh, regardez qui voilà. C'est toi qui reprends la ferme, c'est ça? Moi, c'est Franck. Voilà, quête terminée. Nouvelle quête, se faire des amis, serviette offerte. Hein? Attendez, j'attends que ça se remette à jour, si ça veut se remettre à jour ou pas. Les tours de Befriend en apprenant à les connaître et à offrir des cadeaux. Ah, faut que je trouve 5 personnes à offrir des choses qu'ils aiment. Ça doit être un truc comme ça. C'est très très mal traduit, hein. Ok. Eh ben, je ne sais pas pour le moment. on est au début, hein. Il va falloir faire des tests. Alors du coup. Ah voilà, là on a l'info, là on a l'info. Ici, il y a encore deux points d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rage. Bonjour, je ne pense pas que je vous ai vu avant. Êtes-vous de nouveau en ville? Et ici, on a Alia. Oh bonjour, on ne se connaît pas encore, je crois. Eh bien, on va apprendre à se connaître, hein. Alors, il y a un truc à ici, une villa abandonnée, maison de Fran et d'Erika. Là, on n'a pas vu encore. Ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Là non plus, il y a encore des PNJ un peu partout. Par contre, c'est cool qu'ils soient indiqués un peu comme ils le sont là. Il est quelle heure? Il est 16h40. Je pense qu'il y a toi. Ben. Non, toi, on t'a déjà vu. Voilà. Alors, attendez, il fallait que je monte ici. Oh. Suki, tiens, salut, contente de te revoir. Et Sunny, te revoilà. Bienvenue, bienvenue. Ok. Ici. Le laboratoire. C'est fermé. On a aussi un PNJ ici. Ah, puis vous, je vous connais pas non plus. Derek, tiens, salut, ne t'occupe pas de nous, nous serons bientôt partis. Donc là, ils sont en plein chantier de construction. La ville est super bien agencée. Hein. Jim, c'est toi qui viens d'arriver à la ferme? Pff, je vois, ne le prends pas mal, mais on dirait que tu n'as jamais tenu un outil de ta vie. Toi, tu vas morfler, toi. Et il y en a un autre là. Oh, Anne, bien le bonjour. Toi, t'es mignonne, toi. Oh, tu viens de t'installer à la ferme, bienvenue dans la communauté. Je m'appelle Anne. Dis donc, Anne, est-ce que t'es célibataire? Mec qui essaye déjà de se caser, quoi. Où est-ce qu'elle est, la petite? Elle est là. Une passionnée de la faune. Quand Anne n'est pas occupée à éditer des vidéos, elle aime aller à la plage et se submerger dans la nature. Oh, pas mal. Et t'es 24, bah comme moi. Bon, bah, ça pourrait être sympa, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il va falloir se décider. Alors, même si le mariage et les bébés, c'est pas pour de suite, on l'a vu, hein. On peut, je pense, quand même déjà commencer à monter nos relations. Et il va falloir se décider. Et oui. L'accueil est à revoir pour certains. Eh ben, bonne fin de journée à toi, Christophe. Merci d'être passé sur le live. Hein. Et puis passe une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Ouais, Anne qui me tape dans l'œil. Ouais, je la trouve sympathique. Voilà, bon, on n'a pas rencontré tout le monde. Et puis il y en a d'autres. Hein. Regardez, elle a un certain style. Mais bon, est-ce qu'elle est célibataire? Je ne sais pas. Alors la saison, c'est chute. Je sais pas ce qu'ils appellent chute comme saison, mais bon, c'est pas l'été.
Ça doit être le printemps ou l'automne, je sais pas trop. Si on fait ça là. Ah d'accord, on peut faire défiler comme ça, avec comme ceci. Ok, c'est pratique. Là, c'est un peu la sportive qui a un caractère waouh. D'ailleurs, on n'a pas les infos. TBD, c'est to be determined. À déterminer. Eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal. On avance bien. On a deux personnages là-haut qu'on peut essayer d'aller voir. Bah écoute, ouais, peut-être, Isabella. Je ne sais pas. Je suis pas totalement décidé encore, mais pourquoi pas. Yuri. Oh, Soma. Tu es Soma, Soma? Oui, je suis Soma Soma. Enchanté de faire enfin ta connaissance. Ben merci, de même. Pas mal non plus, hein. Et il y en a un qui s'échappe par là-haut, là. Oh, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça pue, ça. Paul, tu veux travailler dans l'agriculture? Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Au fait, tu peux m'appeler Paul. Impeccable. On en a un autre ici, donc on va redescendre. Les PNJ sont passés, classés pardon, par ordre alphabétique. Oui, apparemment, oui, c'est vrai. Est-ce que ce serait toi? Je pense que oui. Mais si. 10 pas. Eh, hein, Soma? Moi, c'est 10 pas. Bah, 10 pas, elle est pas mal aussi, hein. Mine de rien. Allez. 10 pas aiment se perdre à faire de l'art. Comme ils l'ont dit un jour, la santé est ennuyeuse et pour eux, ennuyeux n'est pas vivant. Joli comme. Comme petit dicton. Bah, je pense qu'au niveau des PNJ, franchement, on n'a pas trop mal avancé. Alors, il nous en resterait un là. Ok, il y en a ici, dans cette zone où on n'a pas du tout été encore. Et forcément, il y en a un planqué là-haut. Et un ici. Alors, celui-là qui est ici, on pourrait peut-être faire ça. Il est 18h20, je pense qu'on a encore un peu le temps. Hein. On va aller le chercher comme ça. Je pense qu'on peut passer là. Elles sont toutes pas mal. J'adore, tu vas avoir du mal à choisir, ouais. Bah après, si vous avez des idées, bah n'hésitez pas. Hein. Donc ça doit être toi. Waku. Soma, c'est bien ça. Moi, c'est Waku. Ravi de te rencontrer. Papa m'a parlé de toi, c'est lui qui pilotait le bateau poulet. Ah, la tête qui fait. Oui, celui avec le chapeau. D'accord. Bon, ben, il a l'air sympa, hein, mais. Alors, on pourrait peut-être passer là et aller choper celui-là qui est là-haut. Il y a du choix pour la drague. Alors, il y a du choix. Le seul truc, c'est que je vois pas. Alors, à moins que je suis aveugle, hein, c'est fort probable, encore une fois. Mais j'ai pas vu la différence entre. Il faudra peut-être une pelle. Ou alors ça n'a pas fini de pousser. J'ai pas vu la différence entre les célibataires et les non-célibataires en fait. En général, il y a une distinction. Je me trompe de chemin. Alors normalement, par là, c'est la mine. Bah, caverne. Donc, dans mes souvenirs. Et donc, il y a un PNJ qui est parti par là. Tu es Soma? J'ai entendu parler de toi, donc Kenny. Alors, on a Kenny dans le jeu, bah voilà, on a tout gagné. Hein. J'ai aussi entendu dire que tu cherchais un peu d'air frais loin de la ville. Je me bloque tout seul. Alors, on a aussi deux PNJ potentiellement ici. Je pense qu'on va retourner chez nous, hein, parce que là, ça amène à la ferme. Donc ça, c'est pas mal. Et il commence à être tard. Yuri, elle a du style perso. Même si je suis une femme, je la trouve trop belle. Alors attendez, parce que moi, j'ai pas encore les prénoms en face des têtes. Ah oui, l'une des dernières que j'ai croisées. Elle a passé des années à faire le programme universel de médecin dans le monde entier, où elle ne reçoit que peu de salaire avant de s'établir à l'île de Coral. J'aime jouer aux échecs et à la piscine. Elle a du style, hein. Tatouage, piercing, sympa, hein. Je sais pas ce que c'est comme tatouage, mais peut-être un peu asiatique. Été 28.
Vous allez me donner vos avis hein, pour l'instant. Je crois que ce n'est pas encore indiqué, vu qu'il y a peut-être que les événements d'amitié pour les 5 premiers cœurs. Oui, j'étais pas sûr d'avoir compris le truc, mais je pense qu'il y a les 5 premiers et les 5 suivants seront implantés plus tard. Oui, Ava, tu as raison, Yuri. Ah bah écoutez, pour l'instant, vous êtes un peu unanime. Bon, bah, je retiens. Je retiens, je retiens. Et donc, nous, on est ici, oui, tout à fait. Bah écoutez, on va descendre plein sud, hein, pour retourner à la ferme. Ah, visuellement, le jeu est vraiment joli. Hein. Il nous reste un peu de. Il nous reste, pardon, un peu de stamina. On va faire un peu de. On va déblayer autour de nos cultures là. Donc normalement il doit pleuvoir demain, donc j'aurai pas besoin d'arroser. Alors, je sais pas s'il y a des choses qui peuvent repousser. Bon, les arbres à première vue, oui, hein. Ah, là, j'ai pas un outil assez performant. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ok, un petit peu de pierre. On va faire des détritus. Alors les détritus, apparemment, il vaut mieux les garder. Hein. Alors j'ai souvenir dans les tests que j'avais fait il y a plus d'un an que effectivement les détritus servaient dans pas mal de choses. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que je m'étais un peu retrouvé bloqué à cause de ça sur ma partie. Oh, j'ai quasiment plus de stamina. Ça se voit. Ok, on va pas aller plus loin parce que si on arrive à zéro, je sais pas ce qui se passe sur ce jeu pour le moment. Donc on va pas tenter le diable, on va garder quand même un peu de ça. Ça, je vais le revendre. Ça, on va le garder. Et ça, faudrait que j'aille l'ouvrir chez le forgeron. Eh bien écoutez, on va aller se coucher. C'est pareil, je sais pas à quelle heure on peut tomber d'inanition. Mais j'ai pas envie de le savoir. Merci, c'est mon coup de cœur. Un dragon, le tatouage. Hein, c'est bien possible, ouais. C'est bien possible. Donc on n'a pas fait d'argent, on n'a rien mis au coffre. Petite sauvegarde. Et on est reparti pour une nouvelle journée. Donc on a encore du courrier. Bonjour Soma, vous cherchez un moyen de passer le temps ou peut-être vous voulez gagner des pièces supplémentaires en attendant que vos récoltes poussent. Ne dites plus, venez faire Eleanor. Hein? Et je visite à la plage chaque et avoir le perfect de recevoir des cadeaux pour vous. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette deuxième phrase? Ne dites plus. Donc rien, j'imagine. Venez faire Eleanor. Et je visite à la plage chaque et avoir le perfect de recevoir des cadeaux. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Visiter la cabane de la plage. Bah, écoutez, on va les pingler, hein. Elle est épinglée. On peut épingler que deux quêtes. D'accord. Donc la cabane de la plage. Alors la cabane de la plage. La plage est ici. Bah, je vais descendre ici. Et j'ai deux PNJ à trouver. Ah oui, c'est toujours le foutoir pour descendre par le sud de la ferme. Voilà, c'est bon, je peux descendre. La traduction laisse à désirer, ouais. On dirait mes enfants quand ils parlent. Ouais, bah ouais, c'est un peu dommage, quoi. Alors effectivement, ceux qui gèrent l'anglais, bah, je pense qu'il vaut mieux avoir le jeu en anglais, hein, clairement. Par contre, pour des personnes comme moi, bah, on va éviter, quoi. Juge Ross. Ok, c'est tout? Alors ici, il y aurait 5 personnes.
Effectivement, il y a du monde, mais je crois qu'on connaît tout le monde déjà. Toi, je te connais. Ok. Ouais, on connaît tout le monde ici. Bon. T'as la baraque qu'ils ont. Waouh. Cette maison de fou. Valentina. Ouais, on l'a rencontrée aussi. Bon, je pense que là-dedans, on connaît tout le monde. Waouh. Alors, par contre, on a un autre PNJ en dessous, s'il n'a pas bougé de place. Ah, je peux pas passer. Mince. Bon, bah du coup, toi je te rencontre pas encore. Donc là c'est là qu'on va faire la plongée. Hein. Je vous rappelle qu'il y a de la plongée sur le jeu. Moi et l'anglais ça fait deux. Ouais, bah comme moi en fait. Hein. Est-ce qu'on peut... Ok, on peut. Même sur la plage, il y a des déchets. Alors ici, je sais pas si je connais le PNJ, on va aller voir. 9h. Bon, on y est presque. Waouh, c'est quoi tout ça là? Ok. Encore un ballon. Tu veux jouer? Ouais, non. Donc la quête c'est visiter la cabane de la plage. Donc la cabane ça doit être ici, hein, celle qui ouvre à 9h. Donc ça y est, 9h. On va pouvoir aller voir ce qu'ils nous veulent. Quoi, Sunny? On ne peut pas lui faire ça. Ce serait exténuant si on lui donnait les deux choses à faire en même temps. Ok, alors c'est parti pour la pêche. Qui n'aime pas pêcher? Peut-être que ce ne serait pas si mal si... Bienvenue enfin à un nouveau visage, Thomas, c'est bien ça? Jim, Soma est là. Un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Soma. Viens, assieds-toi. Nous étions en train de discuter de tes cadeaux de bienvenue. Ah. Eh bien, bon après-midi, Elfette. Merci d'être passé sur le stream. Des bisous, à bientôt. Si tu préfères rester debout, pas de soucis. Tu veux garder tes jambes musclées, hein? Hé hé. En parlant de muscles de jambes, j'ai l'activité qu'il te faut, attraper des insectes. Ah bah voilà. Vas-y, assieds-toi, Soma. Le bug catching. Alors, comment ça se passe à la ferme? Rien ne me résiste. Hé hé, j'aime entendre ça. La résilience de la jeunesse, ça me fait beaucoup penser à moi. Tu veux bien trancher la question pour nous, Soma? Quelle est la meilleure activité? Pêcher ou s'amuser à attraper des insectes? Moi, ça va être la pêche, hein, mais... Hé, ma femme et son esprit de compétition. Pêcher est plus relaxant. Ah, je le savais, tu as entendu mon amour. Soma, tu as raison, pêcher est en effet une meilleure activité. En tout cas, voici notre cadeau de bienvenue, une canne à pêche et un filet à insectes. Trop bien. Trop bien. En mode gratis, c'est ça. Tu peux vendre ta prise ou la donner au musée. Ils peuvent en avoir besoin. Ah, bonne chance. Ok, trop cool. Est-ce que j'ai la place pour avoir deux objets? Ça a été envoyé dans ma boîte aux lettres. Mince. Bon, j'ai déjà la canne à pêche. C'est déjà ça. On va tester la pêche. Ah bah non, je peux pas tester la pêche. J'ai pas... comment dire? J'ai pas le... J'ai pas de place. Il est temps que je fasse mes premières ventes de légumes, hein, parce que... Alors, on va retourner à la maison. Ah, j'ai encore un PNJ ici. Ah bah oui, mais je peux pas le voir, le PNJ. Il ne manque pas grand monde. Et on a encore deux inconnus là qui sont pas très loin. On va essayer d'aller les choper. Ça, on avait vu que ça valait 15. On essaye de ramasser ce genre de choses.
Attendez, parce que là, il est passé derrière. Je sais pas si c'est toi, Kenny. Non, c'est pas toi. Eh ben c'est toi en fait. Scott de Pokio, hein. Moi aussi je suis un citadin à la base. Tu connais la Big Apple, j'imagine. Et le dernier, il y en avait un là, mais... Ok, ils sont ici. Il y en a trois d'ailleurs. Trois inconnus là. Je pense qu'on sera pas loin d'avoir trouvé tout le monde, hein. À un moment donné. Donc à l'extérieur, il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Ça, je pense que c'est l'hôtel de ville ici. Hein. Donc Franck, ok. Et Lily, oh, elle est rigolote. Oui. Ok. Il nous en manque deux. Oh, oh là là, Léa, elle est classe et distinguée, je ne parle pas au bas peuple. Tu as dit que tu travaillais dans l'agriculture, non? Ça explique ta tenue, comme c'est mignon. Ouais, elle a l'air très sympathique aussi, celle-là. Et on a enfin... Juge Ross, on la connaît déjà. Nous manque qui là? Il nous manque une personne. Millie, oui Soma. Je voulais te rencontrer, je m'appelle Millie. C'est tellement enthousiasmant de voir des gens emménager. Bon bah nickel. Alors, il y en a un autre là qui passe au-dessus de l'hôtel. Allez, vite, vite, vite. Ça doit être toi. Oh, ça c'est un beau gosse. Théo. Ah oui, j'ai entendu parler de toi. Le nouvel agriculteur de San Francisco. C'est ça? Ah, c'est Pokio. Je m'appelle Théo. Merci Théo. Alors, il doit pas nous manquer grand monde. Bon, celui-ci qui est pas accessible, qui a pas l'air de vouloir bouger. Il nous en reste un ici. Et un ici. On va essayer d'aller voir celui qui est au nord. Est-ce que je peux passer là? Non, je peux pas passer là en fait. Si à gauche. Alors désolé, je regarde beaucoup la carte, hein, mais jolie, mais pas très sympa cette demoiselle. Oui, elle est mignonne, mais c'est vrai qu'après, par contre, non, toi, on te connaît. Donc peut-être à l'intérieur de ce bâtiment. Oh, le télescope! Waouh! Ah mais les intérieurs sont incroyables. Waku. Les printemps enfin, ça me démangeait de passer du temps dehors. Ok, il n'y a personne d'autre ici. Ok, le PNJ est parti, effectivement. Ah voilà, ça doit être lui. Takeba, c'est toi Taro? Oh. Non, c'est pas Taro. C'est belote. Oh bah. Vous voyez ici? Il y a encore des PNJ. Hein. Et donc on en avait un tout à l'heure ici, au niveau du bateau. Bon bah on va revenir en ville. Alors je suis pas sûr que je prenne le meilleur chemin là. Tout cas le jeu est classe, hein. Franchement. C'est vraiment très propre. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille à droite quand même. Ah, ici, on ne sait pas trop ce que ce sera. Et donc ici,
Il n'a pas bougé. C'est ce personnage. Oh, Zara. Un nouveau fermier en ville. Vous avez déménagé ici après la marée noire? Je suis Zara. Vous vous retrouvez? Ouais, je me retrouve. Alors justement, les PNJ, là, parce qu'on a sacrément avancé, il nous en manque encore 10 quand même. Mais on a découvert une sacrée liste. Bon, en même temps, c'est facile avec la map très explicative. C'est vrai que c'est... Regardez ici, il y en a un autre qu'on connaît pas. Au truc d'électronique. Bon, je m'amuse à essayer de trouver les personnages hein, pour le moment. M'en veuillez pas. Bon, je crois que c'est ici. Ou ici. Ok, c'est pas toi. Non. Luc. Oui, je peux t'aider, je m'appelle Luc, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci. Ok, Dipa, on l'a déjà croisé. Ok, donc ça, c'était un nouveau. C'est bon, je sais qui je vais courtiser. Ah, ça y est, Aval a jeté son dévolu sur quelqu'un. Eh bien, t'as bien raison. Alors, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça m'affiche pas, en fait. Pas tout le temps. Tiens, bah ici, il y en a encore un nouveau. Là, apparemment, on a les 8, mais il y en a un, on n'a pas l'image. Vous voyez, c'est... Ah, ça y est. Bah, il y a un nouvel inconnu encore ici. Ça, il y a des inconnus encore partout, hein. Donc, du coup, c'est au salon de coiffure. Ce qui est bien, c'est que comme ça, au moins, j'aurai tout le monde sur la carte. Macy, bonjour à toi, je m'appelle Macy. D'où viens-tu? C'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme en ville. Elle est mignonne aussi, hein. Ah, franchement, il y a du choix, hein. Il y a tous les styles. Mais alors, vraiment tous les styles. Cette familiarisation des personnages te permet d'apprendre la map au passage. Ah, c'est pas faux, Morgane, c'est pas faux. Même si je vais avoir du mal, je vous cache pas à tout retenir. Hein, mais... Donc on va descendre en dessous. Il y a encore un PNJ. Après, ce que je suis en train de faire, c'est pas une obligation aussi. Hein. Vous pouvez le faire au fur et à mesure. Là, j'essaye vraiment d'avoir tout le monde, mais voilà quoi, ça peut être fait aussi petit à petit. Hein. Donc ce serait qui là? Ce serait toi? Non, je peux pas te parler. Non, c'est encore un autre perso. Alors par contre, je vois pas qui. Est-ce que je peux aller là-haut? D'accord, c'est toi. Betty, quel plaisir de voir un nouveau visage ici. Tu peux m'appeler Betty, mon enfant. Mon enfant. Merci Betty, c'est gentil. Mamie Betty. Eh ben, on avance bien, moi, je trouve. Alors, là, on a tout le monde. Là, on a tout le monde. Là, on a tout le monde. Bon, là, j'ai pas l'info. Ici, on a tout le monde. Bon, celle-là, je peux pas. Il y a trois personnages à l'extérieur. On n'a pas l'accès pour l'instant à l'extérieur. Et donc, il y aurait deux ici. On fera ça une autre fois. Je pense que grosso modo, on a vu tout le monde dans les accessibles convenablement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois qu'il m'en manque 8. Donc, il m'en manque. Donc il y en a un qui m'échappe. Donc 3, on a dit 4. 5, 6 là-haut. Ah, ici, regardez. Voilà le septième. Orange. Alors, je suis pas à côté. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller choper le mec du ranch. Puis, on va rentrer chez nous, ranger un peu nos affaires et revendre. Et on va tester la pêche. Ça peut être sympa de tester la pêche. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben merci Céline d'être passée. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi à toi.
Des bisous, bisous. Alors, oh bah, j'ai encore du courrier. Ah bah oui. Alors attendez. Déjà, je vais revendre ça. 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 Ah, je suis pas passé au forgeron. Et ça. Ensuite, je range ceci. On va récupérer le fil à papillon. Il s'est mis parfaitement à l'endroit que je voulais. Ah mince, le PNJ est en train de bouger de place. Alors, on va essayer de le rattraper. Alors, ça doit être un de vous deux. Jack! Waouh, il est badass! Tu peux m'appeler Jack, je gère le ranch du coin. Ton terrain a beaucoup d'espace pour élever du bétail. Une fois que tu auras fini de t'installer, on pourra peut-être discuter de l'élevage de bêtes. Ok. Pas de problème. Et ben voilà, un de plus. Donc maintenant. Ok, c'est clic gauche pour attraper les insectes. Alors, est-ce qu'il va y avoir des insectes par temps de pluie? Je pense qu'on en a déjà croisé tout à l'heure. Ah, regardez, c'est super bien fait, hein. Alors, la pêche, est-ce qu'on peut pêcher où on veut? Genre. Genre ici? Ouais, l'effet de mouillé, il est vraiment top, hein. Je pense pas qu'on va pouvoir pêcher ici, mais. Ah, si. C'est tout? Ah, j'ai pas compris. Ok, j'ai eu un dépliant en fait. D'accord. Très bizarre. Il faudrait un vélo pour les trajets, c'est très grand, ouais, comme dans The Ranchers. Et la journée commence à se terminer, hein. Alors, par contre, je vois pas le. Alors, je vois pas la difficulté dans le fait de pêcher, mais bon, c'est peut-être parce que je remonte des objets morts qui se défendent pas, hein, du coup. Bon, c'est pas un bon coin de pêche ici, hein. Clairement pas. On testera ailleurs. Bah, on n'a pas de point d'eau ici. Ah, si, on a un point d'eau ici. Mais à mon avis, ça va être le même topo. Alors attendez, il faut que je déblaye le terrain. Voilà. On va quand même tester ici, mais. Il y aura un cheval, mais je sais pas pour le vélo. Ouais, on verra bien, moi. On le découvrira dans le let's play, hein. Pas aujourd'hui, c'est sûr, mais. Oui, sans les explosions. Quand tu as fait le live. Les explosions. Ah oui, sur The Ranchers. Oui. Ah, voilà. Ok, il faut attendre que il y a une petite jauge qui monte là, vous voyez. Vrillé. Et je l'ai eu. J'ai eu une écrevisse. Ressemble à un minuscule homard et vit dans l'eau douce. 4 cm 10.
Et donc on pourra l'amener au musée, ça apparemment. Allez, on va refaire un petit test. Le système de pêche, c'est possible que ce soit comme sur Dinkum? Non, c'est plus passif, on va dire. Dinkum, faut vraiment lancer le bouchon sur les poissons pour qu'ils le voient. Là, faut juste attendre qu'une ombre de poisson apparaisse. Il croquette 3-4 fois, puis à un moment donné, il enfonce le bouchon, on clique, et ensuite, faut remplir la jauge sans remplir la petite barre ondulée qui est au-dessus et en dessous, la jauge principale. C'est très facile. Le système de pêche est pas compliqué là. Hein. Voilà, il faut juste attendre qu'un poisson apparaisse. Après, est-ce que ça va être poussé comme dans Stardew Valley ou suivant la saison, le moment de la journée et la météo, on aura des types de poissons différents? Ça, je peux pas dire. Bon, là, ça a pas l'air de vouloir remordre. Il est quelle heure là? 20h30? Ouais, ça a pas l'air de vouloir. On va refaire un dernier essai de ce côté. Sur Dinkum, le système de pêche quand le poisson mort hein, est assez simple pour l'attraper. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de bien placer l'hameçon dans l'eau pour que les poissons le voient. C'est juste ça en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, Joël. Sur Stardew, la pêche, c'est horrible. C'est une horreur. Le système de pêche le plus bizarre, c'est sur Sandrock, oui. La pêche dans le sable. Ah, bah voilà un petit poisson. Bon, bah c'est un déchet. Ah non, j'ai cru que c'était un déchet, mais pas du tout. Une crevette. Bah nickel. Du coup, on va continuer avant d'aller se coucher à un peu défoncer notre stam. Hein. On va faire du bois. Ah, il veut pas. Moi cet arbre. Allez, pas mal de bois. Ça c'est quoi ça? J'ai l'inventaire plein? J'ai l'inventaire plein. Ok. Alors les poissons, je vais les garder pour les mettre au musée. Ça, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Ah, ça sert dans des crafters. Et ça, je sais pas. Bon, je vais le garder pour l'instant, mais sans conviction. Alors la question que je me pose, c'est si je fais ça et que je fais ça. Ok, on peut replanter des arbres. Ok, c'est bon à savoir. Hey, bonjour Jérôme. Bah, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Et bienvenue à toi sur le live. On va se faire masse bois. Moi, j'aime la pêche sur Stardew. C'est d'ailleurs la première compétence que j'ai montée au max. Bah, chapeau Ava, hein, parce que la pêche elle est pas évidente. Hein. Moi je me souviens mon let's play sur Stardew Valley, comment j'ai galéré pour faire la pêche. On va se faire cet arbre. Allez, allez, allez. On a déjà fait plus de la moitié de. Ah ouais, quand même, il est déjà 16h15. Il reste 1h15 de live, on a déjà fait 1h45, c'est incroyable. Quand les jeux sont incroyables à jouer, on ne voit pas le temps passer, hein. C'est fou, hein. Faire un petit peu de pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait un petit ding comme quoi j'ai ma.
Oh, il est minuit. Il est minuit. C'est l'heure du crime. Vite, allons-nous coucher. Je pense que c'était ça le ding. Oui, au début, mais quand tu comprends le système et que tu upgrades la canne, ça va tout seul. Oui, mais au départ, c'est quand même la grosse galère. Ah, regardez les loulous, on a pris un niveau. En forage, niveau 1. On a gagné un point de compétence, 3 points d'énergie max. Et on a appris à crafter des graines d'arbres en canne. Trop cool. On a gagné 115 d'argent avec ce qu'on a mis dans le coffre. Nice. Ah, bah on progresse. Tu es pas en manque de ressources. Non, ça va, ça se passe bien. Alors, il fait soleil, on va devoir arroser. Ah, regardez. J'ai fait une bêtise. Je viens de défoncer mon navet. Au secours. Ah, je pense pas qu'il soit récoltable. Sinon, je pense qu'il y aura un petit effet de brillance ou un truc comme ça. Ouais, j'espère. Je sais pas trop, en fait. J'ai défoncé un navet à coup de hache. Vivement les arroseurs automatiques, hein. Alors, en termes de ressources, regardez ça. Alors, j'ai des graines. Est-ce que je garde quelques graines d'arbres? Je pense qu'on va garder quelques graines d'arbres aussi. Au cas où. Ça, on va les porter au musée. Ça, il faut que j'aille voir le forgeron. On a vu la pêche. On va voir le système de... Comment ça s'appelle? De... Pour attraper les insectes. Ouais, GG. Oups. je pense pas qu'il faut enfin, utiliser la... Je pense qu'ils sont pas finis de pousser. Hein. Alors, normalement, c'était les navets. Ah, les navets, je m'en rappelle plus. 4 ou 5 jours, non? Est-ce qu'on a l'info là? Non, j'ai pas l'info encore. Là, on a les poissons. Ok. Les notes? J'ai trouvé des notes? Ah, c'est les courriers en fait. D'accord. Bon, vous voyez, ça fait 1h34 qu'on joue. Voilà, on a gagné 265. Ça, c'est... J'aime bien ce petit truc de stats. Ça, c'est cool, ça. Impeccable. Alors, 4 jours, je crois, faut aller voir au magasin, j'imagine. Ouais, mais je pensais... Mais peut-être que quand on va le ramasser pour la première fois, ça va apparaître ici. Parce qu'il n'y a pas de raison que... Bah voilà, quoi. Les cultures, les produits pour les a... par les animaux. Oui, c'est en cours, feuillet. Avec la faucille. Moi, je pense qu'ils sont pas poussés encore. Bah, je sais pas, en fait. Là, je suis à main nue. Je fais clic gauche ou clic droit, il ne se passe rien. Après, si je mets un coup de faucille, bon, il faut tester, hein, mais on va attendre encore un peu. Du coup, on va en ville. On va en ville. On va aller voir le forgeron. Et on va aller voir... Je ne sais plus. Petite cinématique. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ah oui, je me rappelle de ça. C'était ça, là, le chantier en cours. Pufferfish. Karen, bonjour à tous. Chers habitants de Starlet City, si passionnés, tout ce tumulte n'est pas nécessaire. Poisson Globe n'est pas là pour détruire quoi que ce soit. Bien au contraire. En fait, nous sommes là pour renflouer cette ville où... Cessez de mentir, Madame Poisson Globe. On sait tous ce que vous voulez faire ici. Vous pouvez m'appeler Karen et s'il vous plaît, faire élaborer Madame. Betty. La marée noire qui a atteint notre ville l'année dernière était votre fer. Donc de votre fée, quoi. Ces vieux os ont vu assez de vos atrocités. Nous ne voulons pas d'une entreprise de forage pétrolier autour de... Autour, Madame Pufferfish. Veuillez vous arrêter maintenant et prendre le forage d'ici. Hein? Ouais. Je crains que cela ne vous revienne pas, mais oui, nous vous entendons. Nous sommes une société de forage pétrolier, mais les choses ne sont pas toujours aussi unilatérales que le suggère Madame Betty. Nous n'avons pas besoin de votre saleté. Si vous me permettez la chemise rouge, nous pouvons re
redonner vie à l'île de Coral en apportant des tonnes et des tonnes de nos ouvriers ici. Une fois que nous transformons le musée en une installation de stockage de pétrole, nous agrandissons des forages sur le lac et de l'autre côté de la plage. Voir où je vais ici. Ça n'a aucun sens. Il y a des phrases, ça n'a aucun sens. Oh là là! Je peux voir des places avec des distributeurs automatiques dans la ville, parc. Bon nombre de nos travailleurs voudront déménager dans cette ville mourante. Pufferfish peut aider l'île de Coral à devenir une ville magnifique pétrolière, vous voyez, créer des emplois et attirer nos talents intentionnels. En un rien de temps, vous verrez toute cette ville, tous cette ville revivre. Imaginez ceci, des travailleurs de la Pufferfish partout se rafraîchissant par la... Ok. À l'intérieur de Fish and Chips. Chemise rouge. Regardez la vue d'ensemble d'ici. Voyons le visage, personne ne se soucie plus de cela, charmant petite île. Laissez-nous vous sauver, élargissez vos activités. Bon, ça fait mal à la tête ce français qui a aucun sens. Donc, renflouement voulait dire forage sur l'île. Les investisseurs de Pufferfish réaliseront un gros profit. Faites les mathématiques, ça va se faire pour vous les gens. Gardons notre sang-froid les amis, on ne résoudra rien si on agit sur un coup de tête. Madame Karen, merci pour votre temps. Notre porte est toujours ouverte, monsieur le maire. Bon. Tout le monde s'en va. Et nous, on reste. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Cleaner, safer, greener. Ah bah, bien sûr. Soma, non? Ah, je vous connais. Heureux de faire votre connaissance. Pas besoin d'être confus, vous ne me connaissez pas. Je suis Karen, je suis avec Pufferfish Corporation. Soma, cette île est en train de mourir, on le sait tous. Ces gens refusent juste de voir la vérité en face. Il vaut mieux essayer d'en tirer le meilleur parti. Ouais. Eh bien. Alors oui, je voulais aller au musée, mais... Le musée, je sais pas trop où il est, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça, je sais pas ce que c'était. C'était bizarre. Alice. Les fleurs ont quelque chose de joyeux au printemps. Je sais que Suki ne s'en lasse pas. Ça, c'est intéressant. Et faut peut-être, on pourra peut-être offrir une fleur à Suki. Alors, on va aller voir le musée. Je crois que le musée, c'est là, oui. C'est Jojo Marc. Ouais, mais c'est totalement ça chez Den. Hein. Complètement Jojo Marc. Le forgeron aussi, Soma, oublie pas. Oui, pour le coffre, oui. Alors, le musée, déjà, il a changé par rapport à ce que je l'ai connu, moi, à l'époque. Hein. Il n'était pas du tout comme ça. Non, ils ne sont pas revenus par magie. Oh, bonjour, vous êtes Soma, non? Je suis désolé que vous m'ayez attrapé à un mauvais moment, mais... Il suffit de regarder ça, il est si vide, mon travail de vie. Je suis désolé. Merci Soma, j'ai travaillé si dur pour remplir le musée. Eh bien, il n'a pas été complètement rempli, mais au moins, il n'est pas vide comme ça. Je ne vais pas mentir, quand Millie m'a dit que la ville allait vendre toute notre collection, j'étais furieux. Ce n'est pas un sentiment auquel je suis habitué. La seule chose que j'étais bien à qui je me sentais utile est de m'enlever... Ah non mais... La seule chose que j'étais bien à qui je me sentais utile est de m'enlever... Je ne pouvais pas m'y tenir. Ça veut rien dire, enfin... Au secours! C'est plus joli. Que Stardew, oui. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire, Isabella. C'est plus joli, mais oui. Que Stardew, oui. On n'est pas sur du pixel art, là. Hein. On est sur un style graphique à part entière. Stardew Valley, c'est du pixel art. Hein. C'est pas le même rendu. Ça se compare pas, de toute façon. Donc, mais au fond, je savais que la ville avait vraiment besoin de fonds supplémentaires pour nettoyer la marée noire. Alors je suis retourné chez les gens pour me refroidir et penser à ce que je vais faire ensuite. C'est alors que je me suis rendu compte que j'avais deux options. Est-ce que je voulais continuer la fête de la pitié ou est-ce que je vais reconstruire la collection du musée maintenant que la ville n'est pas en crise immédiate? C'est plus joli le musée. Ah oui, 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 bien sûr. Alors par rapport à ce que je l'ai connu, la disposition était complètement différente. Et de toute façon, par rapport à ce que j'ai connu le jeu il y a plus d'un an, ils ont entièrement refait les intérieurs, les extérieurs, et ils ont tout peaufiné en fait. Et je pense que oui, du coup, le jeu doit être plus joli maintenant que ce qu'il était il y a plus d'un an. Ouais, je pense, ouais. Shaden pourrait nous dire ça, parce que je crois qu'elle y a joué
Peut-être récemment sur Coral Island, vu qu'elle avait l'accès à la alpha aussi, comme elle a dû y jouer au tout début. Elle pourra nous donner son avis. C'est vrai, je vais reconstruire la collection. Soit dit en passant, Soma, j'ai entendu des choses à votre sujet. Les gens me disent que vous êtes bien à la recherche de choses. Maintenant, je ne suis pas trop mal, mais je peux certainement utiliser votre compétence. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, pourquoi ne pas le laisser... Ouais, le déposer, quoi. Peut apporter quelque chose? Pas de rien, de rien. Nous avons une liste d'éléments que nous voulons afficher. Des objets comme des artefacts historiques, des fossiles, des bestioles, des créatures marines, etc. Il suffit de glisser chaque fois. De glisser. Et nous verrons si quelque chose dans votre sac peut être affiché dans le musée. Ok. Alors, que dites-vous, Soma? Vous voulez m'aider à remplir le musée avec les trésors de l'île? Bah, bien sûr. Il y aura des cadeaux à la clé, j'espère. C'est ce que j'aime entendre. Ok, il est content. Cool. Ouais, il y a juste le français à revoir, complètement. Donc, je peux donner ceci et ceci. Quête terminée. Et donc, on voit la crevette qui s'est mise là. L'écrevisse, pardon. Ou la crevette, ouais, je ne sais plus. Et l'autre, je la vois pas, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de panneau indicateur. Ok, bon bah, nickel. Et donc, j'ai une petite récompense ici, 150, ça c'est cool. Alors, le forgeron maintenant. Le forgeron. Il est fermé. Oui, mais ça va ouvrir. Ok. Forgeron, c'est par là-bas. Je me mélange les doigts sur mon clavier. Bravo. Et au cas où, je croise un petit insecte, mon fil à papillon prêt à dégainer. C'était là, non? Ah, c'est encore au-dessus. Ah, attendez, il y en a un là. Cicindel, célèbre pour sa vitesse. Cool. Bon, on ira le poser au musée aussi, hein. Ah, cette petite musique relaxante là. Incroyable. Même les fonds sonores sont bien. Ah ouais, carrément, carrément. Eh, bonjour Fox Knight, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors, le petit coffre. Hop. Botte en métal. Ok. Ah, c'est peut-être un artefact pour le musée aussi. Ça, je saurais pas trop dire. Au niveau des PNJ qui me manquent, on a toujours les deux là-haut. Alors, j'ai envie d'aller faire un tour à la grotte. Ceux-là sont carrément inaccessibles. Enfin, je vois pas de chemin d'accès pour aller les voir pour l'instant. Toi, tu es toujours bloqué là. Donc, ça fait 6. Et on est d'accord qu'il nous en manque 6. Donc j'ai plus de PNJ à chercher ici. Chaussures appropriées pour la guerre. Artefact, c'est ça, c'est pour le musée. Eh bien allez, on va déposer, puis on va aller voir un peu la mine. Ça peut être sympa. Hey, coucou Chris. Ah, voilà Thor. Avec son marteau. Attention à vos têtes. Comment ça va, Chris? Go explorer Soma. Ouais, je vais aller voir la mine. J'ai envie d'aller voir la mine. Ah, elle s'est mise là, la botte. Chaussures appropriées pour la guerre. Et par contre, les insectes, ils sont quoi? Ils sont là-dedans? Je pense qu'ils seront là-dedans. Et après, il y a quoi là-haut, en fait?
Il y a un bug de son avec l'eau. Ça, c'est dommage. Ce sera corrigé, hein. Mais il y a clairement un bug de son. Alors, pour aller tout là-haut, on va passer ici. Hop. Ah, regardez, ici, il y a un papillon. Oh, je l'ai loupé. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah, là, je l'ai eu. Une guêpe. Oula, j'en ai la trouille de ça, les guêpes. Alors, par contre, il faut que je me garde de la place. Parce que si on va dans la mine, ouais, j'ai 4 slots. Ah, mais c'est sympa la chasse aux papillons. Enfin, aux insectes. Franchement, c'est cool. Je vais bien avec le beau temps. Ah, ouais, ça, c'est clair qu'il fait beau. Il fait beau. Le jeu est sorti quand? Alors, il n'est pas sorti encore. C'est un accès spécial que j'ai. Attendez, je vais ouvrir ça. Et il sort mardi à 17h, normalement. S'il n'y a pas de changement sur l'heure de sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas interagir. Mardi, ouais, c'est ça. Mardi, 17h, le 11. Ah, on peut pas y aller. Tu entends des bruits d'un TP à l'intérieur, tu te demandes si des gens se battent. Oh non! Oh bah non! Je vais aller casser du caillou, moi. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ah, je n'ai rien trouvé de valeur aujourd'hui. Ok, donc je peux pas y aller pour l'instant. Bon, ce sera peut-être une quête, hein, qui va nous y amener. Bon, bah du coup, on a exploré un peu, pardon, la partie nord-ouest de la map. Chrysomèle. Alors, tout ça, je vais ramasser. Ça va faire des sous. Je sais pas qui est-ce qui habite ici. Maison de Jack, Kira et Kenny. Ok. Ils sont un peu isolés, eux. Et vous voyez, on peut pas aller. Enfin, je pense pas qu'on puisse aller complètement à gauche, hein. Un papillon glauque. Par contre, je crois que j'ai plus de place. Ouais. Je n'ai plus de place. Ah, pourquoi il y a une petite étoile sur lui? Rouge. Se distingue par un éclat brillant et métallique. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je peux pas regarder le panneau. La ferme et la caverne. Ok. Va falloir que je repasse au musée, hein. Ça, on l'avait déjà. Ah bah non. Ouais, bah j'ai pas de place en fait. Alors moi, je jette ça. Comme ça, je vais le récupérer. Ok, du coup, j'ai eu quoi? Un coléoptère Harpalus. Mais de rien, Fox Knight. Un plaisir de donner les infos. Oh, il y avait une grenouille. Donc, je repasse vite fait au musée, les loulous. Est-ce que j'ai arrosé là? Oui, j'ai arrosé. Ah, il faudrait. Alors, j'ai une fleur. La fleur, c'était pour qui déjà? Oh, je me rappelle plus. Un PNJ nous a donné une info comme quoi qu'un autre PNJ aimait des fleurs. Donc, une femme.
Si quelqu'un se rappelle qui c'est, je me rappelle plus. C'est Alice qui nous a donné l'info pour. Je ne sais plus. Suki? C'est peut-être pour Suki, non? Suki qui aime bien les fleurs. Parce qu'on a une quête où il faut qu'on donne des items à des PNJ. Donc, Suki, merci. Alors, Suki, elle est où? Alors, on peut tenter de donner des fleurs à différentes. Personnage féminin, hein, on verra bien. Hein. Je vais passer au musée vite fait pour me libérer un peu de place dans l'inventaire. Des fleurs, j'en ai. Alors, malheureusement, j'en ai qu'une. Donc, on va la garder pour Suki. Oui, c'est Suki. Ok, merci. C'est jusqu'à quelle heure le live? C'est jusqu'à 17h30, encore une heure. Alors, elle est où la Suki? La petite blonde. Enfin, petite. Alors, si elle est dans une maison, je la verrai pas. Elle n'est pas en extérieur déjà. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? Sarah. Attendez. Ah oui, j'ai mon niveau ici, au fait. J'ai complètement zappé ça. Alors, on peut faire. Augmente la vitesse de sprint. Oh, pas mal. Chance de fourrer deux fois. Ah, chance de fourrer deux fois les objets. Donc d'en avoir le double, peut-être. Et. Chance pour les arbres ordinaires de lâcher. Pardon. De lâcher du bois dur. La course, non? La course, allez. D'accord. Alors, la fille aux cheveux roses. Alors, en même temps, je suis Miro, hein, donc. La voilà. Donc nous, on est là tout en bas, elle est tout là-haut. C'est parti. Hop. Ah mais les papillons, ça va être une galère. Hein. Oh là là. C'est le deuxième que je loupe de papillons. Ok, elle n'a pas bougé. On est level Google Trad. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mince. Mais non. D'accord. Alors, Suki, avez-vous eu le bâtiment Pufferfish? Bah oui, ça pour l'avoir vu, je l'ai vu, oui. Je le vois chaque fois que j'emmène Valentina à l'école. Donc j'imagine qu'il faut que je prenne ça et offrir. Vous pensez que je voudrais cela? Ah non, je plaisante, c'est parfait. Cool. Donc, c'est quoi le raccourci pour les quêtes? C'est J. On va mettre ça en suivi. On est à 1 sur 5. Bon, bah nickel. Ah, tu ne nous donnes pas une info sur quelqu'un? Non. Ok. Bon, pas d'info spéciale. Il est 16h30. On n'a que deux quêtes. La récolte, notre première récolte, bah, il faut qu'on attende que ça pousse, hein, mais on est quand même, on est en jour 4. Donc normalement demain, ça devrait être bon. J'espère. Anne, il est vraiment humide aujourd'hui. Ouais, elle donne pas d'infos sur un autre personnage. Ok, bon. Du coup, quand on retourne ici et qu'on va voir Suki, justement, on doit avoir l'info de ce qu'elle aime bien. Voilà, elle aime.
Alors ça, c'est, je pense, ce qu'elle aime le plus, et ça, c'est ce qu'elle aime de base. Alors par contre, est-ce qu'on a progressé en... Au niveau des cœurs, je vois pas de différence, hein. Elle fait la tête là. Par contre, on en parle ici? Qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'elle a des griffures ou j'ose pas imaginer autre chose, mais c'est assez bizarre. Bon, c'est une sportive, hein. Mais bon. Alors, on a eu pas mal de champignons, on a eu des graines sauvages. Faudrait tester de les planter. Ça redonne de la vie et de la stamina, les violettes. Ah, mais on a d'autres fleurs. Bah attendez, on va tester avec d'autres personnages. J'avais pas vu que j'avais eu d'autres fleurs. Hop, on en a trois. On va tester sur des persos féminins, quoi. Alors, il y en a une qui est en train de remonter là. Pas dit que toutes les femmes aiment les fleurs, hein, mais bon, on essaye. Merci pour le cadeau. Bon, ça a l'air banal. Ah, ça marche, ça compte dans ma quête. Donc en fait, je peux, à première vue, offrir n'importe quoi. Donc là, on était sûr. C'est qui toi déjà? Non, je ne veux pas t'offrir un cadeau. Non plus. C'est Anne. On va voir si elle aime bien les fleurs. Anne. Non, c'est pas rentré. Ouais, donc c'est basique, quoi. Pour elle, c'est basique. Ok, là, il n'y a que des mecs. Des vergetures. Ouais, mais vu son âge, ce serait étonnant, non? Elle a sans doute perdu beaucoup de poids. Ou elle attend un enfant. Elle a eu un enfant. Ouais, je sais pas, ouais. Elle a parlé de conduire Valentina à l'école, c'est sûr. Évite les ordures, ouais. Après, je pourrais peut-être offrir des fleurs à un mec aussi, hein. Il y a des hommes qui aiment bien les fleurs, hein. Les fleurs, c'est pas vilain, hein. Bon, on continuera cette quête plus tard, parce qu'il commence à faire sombre. On va aller farmer un peu de ressources dans la ferme, continuer à déblayer le terrain, en fait, hein. Il n'y a pas des petits trucs à cueillir ici? Ah ouais, ah si, je l'ai eu. Chenille rayée du jardin. Ah, je pensais pas que je l'avais eu. Un criquet. Alors la nuit, il n'y a pas les mêmes, y a pas les mêmes animaux que la journée, hein. Ça, c'est clair et définitif. Et sans appel. Est-ce qu'il me reste de la place? Il me reste 3 places. J'ai voulu ramasser la fleur, j'aurais pas dû, j'avais pas vu l'insecte. En même temps, ils sont petits, on les voit pas spécialement, hein. Champignons. Donc en fait, la quête de donner des, enfin, ce qu'ils appellent des serviettes, c'est sûrement sa mère. Oui, à Valentina, oui. Suki, ça doit être la mère de Valentina. Ou l'inverse. Ouais, non. Valentina, c'est une petite ou c'est... Je sais plus, moi. Valentina. Oui, c'est une petite. Est-ce que c'est marqué, tiens, d'ailleurs? Valentina aime le thé et essaye de nouvelles choses. Elle vit à l'auberge et joue souvent à la plage. Bon, ok. Pas plus d'infos. Bon, bah, en tout cas, on a encore des insectes à amener au musée. Pom pom pom, on va continuer de taper les arbres, tu vois, pourquoi pas. Défoncer la stame. Et je n'ai plus de place pour ramasser les petites graines, c'est pas grave. On va continuer de monter notre foraging.
Ça nous en fait du bois, hein. On va pas en manquer. Alors ça, je peux pas le casser. Ah, attendez, j'ai trop de trucs sur moi là. Ça va aller là. Est-ce que j'essaye de planter ça? Alors attendez. Inventaire. On va essayer de planter ça. On va faire un petit carré à part. Ouais, on peut, ouais. Ok, on va prendre de l'eau. Il nous reste 89 de stamina. Voilà, je récupère ce que j'ai pas pu récupérer. On va continuer à faire un peu de pierre parce que s'il y a quelque chose qui nous demande de la pierre, on sera bien content d'en avoir. C'est un peu plus galère à avoir pour le moment, la pierre, tant qu'on n'a pas accès à la mine. Alors j'ai eu quelque chose de nouveau là, mais je peux pas le ramasser. Donc attendez, on va aller voir ce que c'est. Alors les pierres, la sève. Alors la sève c'est pareil, j'imagine que ça servira dans un craft. Et là qu'est-ce que c'est ça? Du charbon, très bien. Elle peut peut-être divorcer ou c'est sa sœur, bah je ne sais pas. Le bois et la pierre, c'est la base. Bah clairement, Mrs. Birzin, ça. Sans bois et pierre, on est mort. Ben oui. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, je vais le garder. Alors, on va faire un peu de sous-sous. On va vendre ça. Ah, je garde les fleurs. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pas combien ça coûte. Donc, on va les revendre. Je vais garder ces deux-là. Est-ce que je peux en fait voilà, en mettre qu'une. Je garde trois fleurs pour offrir à trois femmes sur la prochaine journée, pour valider notre quête d'offrir des serviettes là. Et du coup, on va aller se coucher. Allez. Non, la base, c'est l'arrosoir. C'est pas faux. Mon arrosoir, je le quitterai jamais. Certains savent pourquoi. Ah, on a gagné un point de compétence dans le fait d'attraper les insectes. Et on a gagné 270. Cool. Alors, compétences. Hop. Alors, chance d'attraper deux fois les insectes et les bestioles océaniques. Ou réduit la prise de conscience des insectes et des... Ouais, donc le fait qu'ils nous détectent, quoi. Je vais prendre ça. Pour essayer d'en avoir plus facilement. Et du coup, on a débloqué un autre palier de 10%. Pour la prochaine fois. Ça roule. Alors, nos cultures. Ah, Marc. Oui, bonjour, je suis Marc. Vous êtes le nouveau agriculteur, je sais. Je suis ici pour vous donner quelques informations. La mine au nord-ouest d'ici est maintenant ouverte. Yes! Juste à travers la forêt. Quand vous voyez le ranch de Jack, vous pouvez aller à gauche et suivre le chemin. Elle a été fermée? Oui, elle a été fermée, maintenant elle est ouverte. Te. Trouvez le ranch et allez à gauche, il devrait y avoir un signe pour vous conduire à la caverne à partir de là. Attrape tout cela. La bande de souris a éliminé les plus hauts niveaux de la mine, il est sécuritaire des raies, plus aucun monstre. Tu peux visiter si t'es curieux. Et c'est pas traduit. Ok, pas de souci. C'est tout, si vous voulez en savoir plus, parlez à Kira, j'ai fini ici. Il a pas l'air content. Tchou, perte de temps. Ok, c'est sympa pour nous. Ah, là, c'est. Bah, voilà. Au moins, j'ai l'info. Ça a fini de pousser. Donc, on va, hop, arroser ici. Bon, on peut pas se tromper, hein, quand ça a fini de pousser. On a la petite main qui nous indique qu'on peut ramasser. Ah, j'ai loupé ce coup-là. Alors, ces navets.
Redonne 33, 31 de stam. 31 de vie et 33 de stam. Bah, je vais les garder pour la mine. On va pas les revendre. Donc qu'est-ce que je fais? On va passer vite fait en ville. Par contre, je dois récupérer, je pense, ma récompense. Voilà. On va faire les cadeaux. On passe au musée pour se vider complètement. Comme ça, j'ai plus les fleurs et j'ai plus les insectes. Et ensuite, on va à la mine. Qu'est-ce que vous pensez du programme? Ça me paraît pas mal. Est-ce que je lui en redonne un? Allez. Ah, ça a pas compté, c'est trois personnes différentes. Mince. Ah, mais faut que je trouve une autre fleur du coup. Eh oui. Alors attendez. Oh bah, toi. J'espère que ça n'a pas causé trop de problèmes. J'accepte, merci. 3 sur 5, impeccable. Allez, tiens. Oh, elle est toute triste. Tiens, une violette. Merci, j'imagine. 4 sur 5. Allez, il m'en faudrait une dernière. Pas une petite fleur là qui traîne. Ah, ça en est une, ça? Alors le 6 indel, je l'ai déjà récupéré, donc on pourra le revendre. Donc ça, c'est une bonne chose. Le musée, il doit pas être encore ouvert. Toi, bah on va te donner une fleur aussi. Coucou Alice. Plutôt de donner la jonquille. Voilà. C'est tellement cool, merci. Quête terminée. Réclamer la récompense, il n'y en a pas. Ok. Bah écoutez. On a plus de quête pour le pardon, pour le moment. Suis en train de m'étrangler. Oublie pas d'acheter le 5 pour 500 pièces. Ouais, c'est vrai qu'on peut. Se passe quelque chose. Peut-être que si nous faisons ceci. Soma, regardez ici ceci. Vous voyez cela, c'est un plan pour un musée plus grand. Le musée que nous avons maintenant est trop petit. On va pouvoir agrandir le musée, c'est sérieux? Ça marche, mais vous pouvez imaginer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus extravagant? Imaginez ceci, Soma. J'imagine. Nous avons une section dédiée aux créatures aquatiques de cette île. Ensuite, il y a une autre section où nous pouvons regarder tous les fossiles que nous avons creusés. Maintenant, Suki, je la vois différemment. Oh, nous pouvons avoir une section plus grande et meilleure pour les artefacts anciens. Shaden, ouais, c'est clair, hein, la pioche, mon meilleur ami après l'arrosoir. Eh oui, dans l'ordre, ce serait ça, ouais, effectivement. Le début de la fortune, la mine et les navets. Ah, c'est clair, Renaud. La mine, je sais pas ce qu'on va y trouver là sur les débuts, je pense du cuivre certainement, mais cela semble vraiment cool, n'est-ce pas? Mais il y a un gros problème cependant. La ville n'a tout simplement pas le budget nécessaire pour construire ce musée, au moins pas encore. Allons, et si nous récoltons l'argent pour le construire? Par là, je veux dire que je vais commencer une campagne de Pickstarter. C'est bien, ils ont de l'humour au moins les développeurs. Savez-vous ce qu'est un Pickstarter? Je sais ce que c'est, je ne sais pas si vous devriez en faire un. Je ne sais pas, pouvez-vous m'expliquer? Pickstarter est une plateforme de financement participatif. Nous avons mis notre projet en ligne, puis les gens peuvent t'aider à le financer. En retour, nous leur donnerons quelque chose du projet comme un gage de reconnaissance. Bonne idée, n'est-ce pas?
Je suis presque prêt à lancer cette campagne, mais il y a quelque chose avec lesquels j'ai besoin d'aide. C'est trop fort ce qu'ils ont fait là. Sur la base de mes recherches, les campagnes les plus réussies sont celles qui ont déjà quelque chose de significatif à montrer, quelque chose pour rassurer les bailleurs de fonds, qu'ils soutiennent un projet légal. Si je montre le musée vide dans la campagne, les gens vont penser que ce projet est une arnaque ou quelque chose. Incroyable cette quête. Maintenant, mon cher et dur travail, Soma, c'est là que vous entrez. Nous sommes vraiment satisfaits de ce que vous avez apporté au musée jusqu'à présent. Ils sont tous incroyables, mais ce n'est pas suffisant. J'ai demandé à Macy de prendre des photos de notre musée hier et il semblait vide. Mais si vous donnez plus d'objets, est-ce que vous voyez voilà, je vais avec ça? C'est vrai, le musée ne paraîtrait pas si vide et nous pouvons convaincre plus de gens de nous aider à financer notre projet. Maintenant, alors que vous nous aidez à rassembler plus d'artefacts, je vais préparer d'autres matériaux à télécharger sur la page de la campagne. Je vais analyser ce plan, puis je demanderai à Millie d'écrire quelque chose de génial pour la campagne. Oh, peut-être que je devrais obtenir Lily pour faire de nous un site web. Eh bien, regardez-vous, tout en train de se réunir, maintenant allez-y Soma, collectez plus d'objets pour que nous puissions lancer notre campagne de pioche. C'est incroyable ce truc. Donc donner des objets au musée, il faudra en donner 30. Parfait. Ah, je le trouvais pas terrible. Ouais, mais je pense. Avant, il y avait en fait. Je me rappelle plus s'il y avait des sections, mais en tout cas, c'était vraiment pas fait différemment. Et la disposition était peut-être un peu plus intéressante sur l'ancienne version que sur la nouvelle. Mais des images qu'ils ont montrées sur ces futurs plans-là, avec les différentes sections, je pense que ça va être très sympa. J'adore, j'aime ce genre de détails. Ouais, c'est excellent, Morgane. Complètement. C'est vraiment top. Ouais, ce musée était vide de chez vide. Ouais, c'est clair, Fox. Alors, forgeron. Normalement, je crois qu'il est juste au-dessus. Je ne me rappelle jamais. Il est là. Donc, on va aller agrandir notre sac. Bon, on va un peu se ruiner, mais on a les sous. On a les sous-sous. J'ai un insecte à revendre. Donc, avant d'aller à la mine, on repassera par chez nous. Il est 9h20, donc normalement, c'est ouvert. Je sais pas s'ils ont des jours fériés, les PNJ, sur le jeu. Ah, c'est pas ici le coffre. C'est pas le forgeron. C'est pas le magasin général, plutôt? La géode, magasin pour... ouais, ça doit être le magasin général, plutôt, non? Je pense que c'est ça. Hein. Fermé le dimanche. Ok. Magasin général, c'est ici. Ah, c'est tout en bas. Faut que je redescende. Ah, parce que l'objectif quand même de la journée, c'est la mine. Hein. L'objectif principal. Voilà. Merci. Bah, c'est rapide, hein. Ok, 5 slots de plus. Impeccable. Alors, on repasse par la maison. Et ensuite, on va à la mine. C'est un bon programme, je pense. Et au passage, si on trouve des petits trucs hein, pour le musée, bah, on prend. Hein. Il faudra pêcher aussi. Il faudra pas mal pêcher à différents endroits. À différents moments de la journée. Pareil pour la chasse aux insectes. Hein. Du coup, toi et toi, je te revends. Voilà. Et on est parti. On passe en mode pioche. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un paon, non? Ah, regardez, il y a un PNJ accessible là, qu'on connaît pas. Ah, attendez, je vais d'abord parler à elle. Kira, tu as une ferme? Ok. Je m'appelle Kira. Bonjour Kira. Et ici, on avait un petit insecte. Nice.
Bah, encore un chrysomèle. Alors là, il n'a pas la petite étoile qu'il avait tout à l'heure dessus. Oh, j'ai cru que je le loupais encore une fois. Un Batus Philenor. Alors ça, je sais pas ce que c'est, hein. Tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ok. Un des mystères du jeu. Ah, je l'avais pas vu, lui. Ouais, je l'ai trop effrayé en passant la première fois. Allez, Golamine. Oh. Alors, c'est le design est quasiment le même qu'avant. Et on va commencer par ici, en fait, mais il y a d'autres portes. Revenez, revenez en arrière. Vous, l'agriculteur à l'apparence faible, revenez. Revenez des monstres. Attendez une minute, où sont les monstres? Voyez, il y a des éléments au sol. Eh bien, Marc et moi avons juste éliminé les hauts niveaux. Mais ce tremblement, le tremblement s'est produit juste après que vous êtes entré, n'est-ce pas? Je pense qu'une Pokéball est bien mieux que ta petite éprouvette. Bah ouais, mais bon, ça marche quand même. Il y a un vieux mythe à propos de certaines malédictions qui réagissent à une présence, mais qui peut attendre. Mon nom est Kira, je suppose que vous êtes le nouveau fermier. Étant un agriculteur et tout, vous êtes probablement là pour faire quelques mines. Dans ce cas, seul l'arbre de terre est actuellement accessible. L'ascenseur est très bien desservi par les transports en commun. Toujours aucun sens à mes phrases, mais bon. Donc oui, on va pouvoir aller que là. À partir de là, vous devez descendre à pied. Si vous descendez assez profondément, vous pourrez restaurer l'accès à d'autres étages. Voilà, on pourra miner du minerai et des gemmes. Et Rebeps, ça y est, Medieval Dynasty, c'est fini? As-tu trouvé ta chair et tendre sur Medieval Dynasty? Prenez cette épée, vous aurez besoin de quelque chose pour vous défendre. Ok. Donc les combats n'existaient pas à l'époque dans la mine sur quand j'ai joué. C'est une longue descente, alors assurez-vous d'être bien approvisionné. Faites attention là-bas et bonne chance. Merci. Alors par contre. Donc atteindre le niveau 5, axe de terre, rallumer l'ascenseur. Va prendre les quêtes en suivi, on va... Alors toi, tu me plais pas du tout là où t'es. Hop, tout décalé de 1. Ok, on est bon. Alors je sais pas si dès le premier étage, il va y avoir des ennemis, mais bon. Niveau 1. Waouh, non mais regardez-moi tout ça. Bon, il y a du caillou. Là là, c'est tellement bien. Toi. Ah là, on va faire de la pierre. Hein. Donc il faut trouver bien sûr le chemin suivant. Hein. Donc soit on a de la chance, soit on n'en a pas. Et si on tape dans le vide, ah, en tapant dans le vide, on perd de la stamina, hein. Faut faire attention. Ça, les gens vont râler, ils vont l'enlever, je pense. Et ben voilà. Sauter. Ah, attendez. Je veux ceci. Et ben voilà, j'ai tapé à côté. Alors qu'est-ce qu'on a eu pour l'instant? On a eu un minerai de bronze, bon des pierres, une lépidolite et du charbon. Je vais mettre ça ici. Donc avec ça, on va pouvoir se régénérer. Alors, il n'y a pas d'autres pierres particulières.
Alors c'est au petit bonheur la chance hein, pour trouver le trou pour l'étage suivant, voilà. Ah. Bleh, dégueulasse. Ok. Il y en a un autre. Ok, donc ça, on peut le péter à l'épée. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à casser les caisses? Bah, apparemment, oui. Impossible d'allumer, torche nécessaire. On peut installer des torches, d'accord. Je récupère du compost. Ok. Et on a 4 minerais de bronze. C'est pas mal. Alors du coup. On va manger un peu de ça pour se régénérer. Voilà. Au moins les PV pour commencer. Ah. Géode. Nouvelle découverte, une géode. Apportez-le au forgeron pour ouvrir les objets. Il peut y avoir des objets de valeur à l'intérieur. Parfait. Alors, j'aime pas ce système à la Stardew qui repose sur la chance pour avancer. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Non, je n'ai pas voulu mettre une droite à l'ancien collègue de mon père et je me suis retrouvé à devoir récupérer sa faux en payant 450 pièces. Ah oui, quand même. Waouh. Alors on est étage 3, hein, c'est ça logiquement. L'objectif c'est l'étage 5, hein, pour valider la quête. Alors, pour l'instant... Ah, j'allais dire sur cet étage on n'a pas trop de chance. C'est bon, ça passe. Ok, alors. Ok, les ennemis sont pas trop embêtants. Hop, on va régénérer. Je pense que mes navets pour l'instant ils vont me servir à ça hein, pour démarrer le jeu parce que. Parce qu'on va en avoir besoin. Alors ici on a ça. Ah, je donne trop de coups dans le vent, je perds de la stamina pour rien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais on dirait qu'il y a des pièces en fait dans le sol et que si on avait une pelle et qu'on creusait, on trouverait un truc. Genre, si on fait ça. Non, ça marche pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est juste de la déco, mais... Mais ça me fait penser à ça, en fait. Mais non, mais tape pas à côté. Je perds un point de stamina à chaque fois que je tape à côté pour rien, quoi. Allez, allez. On veut l'étage 5. Ah, c'est chaud ça. Hein.
On a encore 3 navets. Ça va être dur, hein. Ah, on l'a, ça y est. Et on a débloqué l'ascenseur. Ben, impeccable. Alors, il y a une géode là-haut. Donc, du coup, ici, récompense, hop, 100 points. Parfait. Je vais quand même prendre une petite, un petit navet. Et est-ce qu'il y a autre chose? Bah, il n'y a pas autre. Ouais, il y a ça. Et si on veut casser les trucs, il y a ça. Ok. Bah, écoutez, les loulous, on va remonter. On a réussi notre objectif. On a récupéré déjà du minerai. Franchement, c'est cool. On a débloqué l'étage 5 intermédiaire. C'est pas mal pour une première. Heureusement qu'on avait des navets, hein. Eh, bon dimanche à toi, Ava. Merci d'être passé. C'est très gentil. Et il est déjà 20h, donc de toute façon, le temps de rentrer, on fera pas grand-chose de plus. Alors, je l'ai eu. Mais, on va acheter ça. Voilà. C'est quoi que j'ai eu? Un papillon lune. Trop mignon. Oh, j'en ai vu un autre. Ah ouais, mais là par contre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, sur la prochaine journée, qui sera certainement d'ailleurs la dernière du live, hein, parce qu'il nous reste 20 minutes, grosso modo, on fera un peu la chasse aux insectes et on fera un peu de pêche aussi. On essaiera de trouver des nouveaux spots. Et puis voilà quoi. Histoire de finir tranquillement pour avancer la quête du musée, vu que c'est la seule quête qui nous reste à faire. Donc là, on va stocker ceci, ceci. Bah, les géodes, il faut que je les garde. Le granit, l'agate de feu, la pierre. Ça, normalement, je peux le revendre. Vu qu'on en a déjà déposé un. Et on va aller se coucher. Allez au lit. Alors, agriculture, on a passé un niveau, on a débloqué l'épouvantail de fortune et l'engrais, niveau 1. On a gagné encore 3 points d'énergie, max. En extraction, idem. Oh, les explosifs. Cool. On gagne 365 sur la journée. L'insecte, 320 quand même. C'est rentable. C'est très rentable, les insectes. Avoir les poissons. Quand on aura des doublons de poissons, mais. Une nouvelle scénette. Pablo, bonjour, bonjour. Quoi de mieux qu'une visite de votre forgeron local? Le mot autour de la ville est que vous avez commencé à miner l'arbre de la terre. C'est en fait pourquoi je suis ici. Au fur et à mesure que vous me ferez, vous tomberez sur les minerais. Qu'est-ce que je. Oh là là! On peut transformer les minerais en barres, oui. Avec suffisamment de barres, notre boutique peut mettre à jour vos outils, travailler plus intelligemment, pas plus dur, comme j'aime le dire. Moyennant des frais, bien sûr. Ouais, 2000. On fera la pioche en premier, je pense. Hein. Pour fabriquer des barreaux, tu auras besoin d'un four que tu peux maintenant fabriquer grâce à ce plan. Vous avez besoin de 5 minerais identiques pour fabriquer une barre. Vous aurez également besoin d'un charbon de bois pour allumer le fourneau. Ok, donc comme dans Stardew. Hein. Ouais, je pense que vous êtes tous prêts maintenant. Tout prêts maintenant, pardon. Bon, bah cool. Donc le four, eh ben on va regarder pour se fabriquer un petit four. Alors, le fourneau, de la pierre et du minerai de bronze 20. Alors, je ne sais pas si j'en ai 20. Non, je les ai pas, donc je peux pas le faire pour le moment. Ok, ensuite. Ça, on va le garder. Ça, faut que j'arrose.
Le jeu est génial, hein. On fera un petit débrief à la fin du live si ça vous dit. Mais vous pouvez commencer à me donner vos avis. Franchement, c'est tip top, hein. Donc on a 760. Il faudrait en fait que je rachète des cultures, des trucs à planter aussi au magasin général. Ah, encore une scène. Alors, le maire, Connor, bonjour Soma, c'est bien de vous voir ici. Je me dirige vers le café de Raja, vous êtes en train de socialiser? Oui, au fait, qu'est-ce qui se passe avec la scène de Pufferfish? Ah, la scène, oui, c'est plus facile si je vous montre. Allons au centre de la communauté pour y discuter. Mon café peut attendre. Alors, bonjour à tous les arrivants hein, qui passent en mode sneaky. Je vois qu'on est 50 sur le live, c'est incroyable. C'est cool, hein. D'ailleurs, je vais avoir une grosse question à vous poser à la fin du live par rapport à la suite à donner à ce live justement sur Coral Island. Il est vraiment sympa et graphiquement très joli. Il y a beaucoup de villageois. Ouais, les villageois, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà ce gros F de Hall sur le rang de la ville. Oui, c'est nous. Donc ici. Classement de la ville de Starlet. F.A. Il va y avoir un classement de la ville. Cela ne s'est pas passé du bleu cependant. Ouais, bon, ça veut rien dire. Cette salle était autrefois la fierté et la joie de notre ville qui affichait fièrement les trophées. Parfois, nous avons obtenu un B, mais ce n'était jamais un F. Ce vieil homme aura besoin de s'asseoir pour vous dire ce qui s'est passé. Ok, on a un peu de lore, hein, du coup. Il semble bien et on n'a pas encore vu la plongée sous-marine. Ouais, effectivement, ouais. On n'a pas vu la plongée. Là, on va découvrir apparemment un nouveau système de notation de la ville. Donc, c'est quand même énorme. Ce jeu est top à la hauteur de mes attentes depuis la découverte sur Steam. Vraiment contente, il est super joli et varié. Bah, merci pour ton retour, Priscilla. Alors, il y a quelques temps. Bon, bah, je pense qu'on fera pas notre journée pêche et chasse d'insectes, hein, vu qu'on va avoir du blabla. Mais ça pose un peu l'histoire du jeu, hein, donc c'est cool. Comme d'habitude, chaque saison, nous commençons par voir pourquoi les gens visitent Starlet Town. Nous pouvons signaler que les visiteurs viennent ici pour voir notre musée, vos sites patrimoniaux et votre océan. Le rang de ville que nous attribuons est basé sur la condition de ces choses au moment de la revue. Aujourd'hui, nous allons donner à Starlet City le rang de... Attention, F. D'accord. Hein? Bonjour, écoute, prépare tous les documents et équipements nécessaires. Ah, du coup, ils en profitent en fait. J'ai trouvé le lieu parfait. Premier jeu que j'ai vu avec autant de villageois, on s'y perd facilement. Ouais, on s'y perd facilement, mais on peut tous les retrouver facilement grâce à la map. Et ça, je trouve ça super bien fait. Qu'ils soient en extérieur ou dans leur maison, on peut savoir où ils sont et ça, c'est trop bien. En tout cas, graphiquement, je le préfère nettement à Stardew Valley. Ah ouais, pour moi, il n'y a pas photo non plus. Graphiquement, c'est largement au-dessus, quoi. L'année dernière, un déversement de pétrole d'une île voisine a fait son chemin ici et a semé des ravages. Tout est descendu de... Tout est... Ouais. Tout a découlé de ça. Karen était là au niveau de la ville, à l'audition de la ville. Ils nous ont regardé tout ce temps, cette fois. C'est Conigan Poisson Globe. Waouh, non mais... Par contre, faut qu'ils revoient la trad FR. C'est quand même sympa de comprendre le sens général et même plein de détails, mais il y a des trucs, ça, ni queue ni tête, quoi. Donc juste l'idée d'abandonner notre héritage, le musée, l'océan, les sites patrimoniaux, c'est difficile à accepter. Notre ville était bonne, Soma, géniale même, les affaires étaient en plein essor, la ville était animée. Je crains qu'à moins que nous puissions rehausser la ville, le rang de la ville en A et regagner la confiance des visiteurs, nous n'aurons d'autre choix que de travailler avec Pufferfish. Remplissage du musée semble simple et plus que possible, ça prendra du temps, mais guérir les sites du patrimoine malade ou se débarrasser de ses racines têtues sur l'océan. Ou commençons nous-mêmes, comment commençons nous-mêmes? Ça. Je lis parce que je lis, hein, mais je comprends même pas ce que je raconte. Notre ville est dans une position difficile. C'est beaucoup à prendre, je sais. Que diriez-vous de vous joindre à moi pour obtenir du café? La marche et l'air frais nous fera tous les deux du bien. Ouais, donc qu'est-ce que vous diriez de m'accompagner pour prendre un café, hein? Ce serait déjà plus français. Il a l'air de se passer quelque chose ici. Tout va bien?
Tout à fait, Shaden. Et je pense que c'est pour ça qu'il a opté pour du pixel art. Hein. Alors, j'y connais rien, hein, mais je pense que c'est plus facile de développer en pixel art que de développer sous ce style-là graphique. Après, je sais pas. Hein. Si ça tombe, c'est aussi compliqué l'un que l'autre. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait faire? Il est que 7 h du matin. Ah, mais j'ai compris en fait. Ça doit être la qualité supérieure, comme dans Stardew. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a eu un insecte avec une étoile. C'était qu'il était de qualité supérieure. Donc à la revente, ça doit valoir plus cher ceci. Ça doit être un délire comme ça. Hein. Donc par contre, on a des points à mettre de compétences agriculture. Ça, c'est pas mal. Chance pour que le sol arrosé le reste. Alors 10%, 10, 5%, 10%. Ah, je ne sais pas quoi prendre. Je pense qu'on va prendre l'arrosage. Enfin, que le sol reste arrosé. Et extraction, chance de miner deux fois le minerai, 20%. Chance de trouver des gemmes, 5%. Chance de briser les rochers environnement lors de l'extraction, 5%. Ah, tout est vraiment bien. Mais on va prendre le deux fois. Allez. Et on va quasiment passer niveau 2. Ici, donc, on a vu les quêtes. Ok, on est bon. Est-ce que j'attends le musée pour rendre mes deux items? Et est-ce qu'on essaye de faire la journée tout en papotant sur ce que je voulais un peu vous raconter? Comme beaucoup, je l'attendais depuis longtemps. Pour l'instant, je ne suis pas déçu, à part la trad. Ouais, à part la trad, mais encore, c'est pas trop gênant. Montre un peu la pêche, please. Oui, Isabella, on va aller pêcher. Bonjour tout le monde, il est sorti le jeu ou c'est une avant-première? C'est une avant-première, Blacky, et bonjour à toi. Bienvenue sur le live. Le jeu sort mardi à 17 h, mardi 11 octobre à 17 h. Ah ouais, bonne idée. Merci Renaud. Oui, la qualité du navet augmente sur le gain de PV et de stamina. On gagne 5 points en plus sur les deux stats. Bien vu. Il faut qu'on aille voir le forgeron aussi. Donc là, Loulou, ma première question c'est, le live a l'air de vous plaire? Le jeu a l'air de vous plaire. J'ai jamais eu autant de monde sur un live à part une fois sur Ark. Et ça remonte à longtemps. Ma question est, vous savez que c'est le lancement du Let's Play hein, sur Coral Island et j'ai prévu deux épisodes la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez que je fasse l'impasse sur les deux épisodes et qu'on refasse un live dimanche prochain? Voilà, ça c'est ma première question. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on fasse la suite en fait de ce que je vais couper là tout à l'heure, la semaine dimanche prochain, où je vous fais quand même des épisodes? Mais ceux qui n'ont pas vu les épisodes dans la semaine seront peut-être un peu perdus au niveau du live dimanche prochain. Et surtout, est-ce que vous souhaitez avoir encore un live sur Coral Island? C'est toute la question. Voilà. Donc j'attends. Le musée, on peut y aller? Non, le musée, on peut pas y aller. Il y aura aussi sûrement, certainement un délire avec ça. Live, ok. Vas-y, le live. Merci, Sheden. Un live, c'est plus cool. Bah, au moins, on peut échanger ensemble. Une vidéo, vous mettez des commentaires. En plus, quand vous allez me donner des conseils, des infos, ce sera pris en compte que 3 épisodes plus tard, vu que je tourne mes épisodes en avance. Donc, c'est vrai que ça peut être cool. Donc, on va aller au musée. Je vais lire, hein, vos commentaires au fur et à mesure. Un live, c'est mieux. Merci, Chris. Le live, c'est bien avec ce jeu. Ouais, c'est clair. Surtout que je peux jouer en même temps que je vous parle. Ça, c'est pratique. Donc ça, c'est fait. Faut qu'on aille voir le forgeron. Bon, bah, tout le monde a l'air unanime. Hein. Le live, tu veux en gros nous laisser une semaine sans chorale? C'est honteux. À lire avec la voix. Tu veux nous, en gros, nous laisser une semaine sans chorale? C'est honteux. Honteux, Soma Gaming. Honteux. Inadmettable. Oui, un live c'est cool, les épisodes en semaine me va aussi. Alors moi, si vous voulez mon avis, moi je serais plus sur le fait d'attendre que le prochain épisode ce soit le live de dimanche prochain. Voilà. Et je vous fais pas d'épisode en cours de semaine. Alors, bonjour, je suis en lurk depuis le début. Pour moi, un live c'est mieux. Eh bien, merci pour ton avis, Serafina, c'est cool. Et bonjour du coup. Et surtout, d'ici là, on aura tous le jeu. Ouais, et d'ici là, vous aurez tous plus avancé que moi, en fait. Bon, je peux vous dire que Shaden, elle l'a le jeu. Hein, donc, et la semaine pro, on aura déjà tous commencé le jeu. Bah, tu l'as commencé aussi, non, Shaden? Non?
Un grand live le dimanche et la rediff coupée en trois épisodes pour la semaine. Comme ça, tout le monde est content. Alors, malheureusement, je suis désolé, mais alors c'est une bonne idée, hein, Céline. Céline Carrette. Et bonsoir et bonjour à toi d'ailleurs. Mais voilà, j'espère qu'on n'est pas dimanche, là on est samedi. Mais pour éviter de refaire des montages et compagnie, moi je préfère laisser YouTube mettre toute la rediff quand je vais couper le live plutôt que de découper en plusieurs morceaux, quoi. Franchement, ça c'est un truc qui m'arrange pas du tout. J'ai juste pas le temps en fait. Je suis vraiment désolé, hein, mais j'ai pas le temps. Donc ça va nous coûter 20 à chaque fois. Allez, c'est parti. Un cristal rose, ça c'est nouveau ça. Ok, une agate de feu. Eh bien, on a été gâtés. Est-ce que je vais voir le prix de la prochaine augmentation du sac? Même si à mon avis ce sera pas 500, je ne pense pas. Mais on peut faire ça. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu que j'ai pas backé, mais mardi je l'aurai. Ah, je croyais que tu avais backé le jeu, moi. Chez Den. Je sais pas, il me semblait t'avoir vu jouer à Coral Island avant, donc c'est pour ça. Bah, je suis désolé, pardon. Oui, après, tu peux. Effectivement, plutôt que je le coupe et que ça prenne du temps, surtout. Faut savoir, en fait, les loulous, pour ceux qui découvrent un peu hein, via ce live, parce que je pense qu'il y a habituellement certaines personnes qui ne sont pas là, que actuellement, je travaille. Je travaille du lundi au samedi, tous les matins de 6h à midi, voire 13h. Donc, du coup, déjà, vous voyez un peu les journées que ça me fait. Et les après-midi en semaine. Et même le week-end, je les passe entièrement consacrés à la chaîne. Donc j'ai quasiment pas de temps libre pour moi. Entre répondre aux commentaires, tourner les vidéos, faire les montages, faire les vignettes, faire les rendus sur YouTube, chercher les infos de jeu, contacter les développeurs pour avoir des clés, contacter des développeurs pour avoir des avant-premières. Bientôt là, contacter les développeurs pour vous faire des cadeaux pour les 5 ans de la chaîne qui arrivent vers la fin de l'année. Tout ça, ça prend un temps fou, fou, fou. J'ai juste pas le temps de faire plus en fait. Surtout que dernièrement, je vous fais des petites vidéos YouTube première qu'on se partage le soir tranquillou sur les démos là du festival. Donc c'est vrai, redécouper un live de 3 heures en 3 épisodes, ça demande de passer par un montage. Donc 3 montages, vu qu'il faut faire 3 épisodes, ça va me prendre un temps de fou. Et surtout quand je fais des rendus de vidéos sur le PC. Bah, je peux pas faire autre chose à côté. Je peux pas m'avancer sur un jeu pour faire du hors caméra ou ce genre de choses parce que le rendu est trop gourmand. Et j'ai un très bon PC, hein, mais je peux pas faire tourner et un jeu et faire un rendu de vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'explique et je rentre dans le détail, hein, mais je pense que vous avez tous compris le pourquoi du coup. Bon. Ouais, 3500, hein, on verra plus tard. Par contre, on passe de 20 à 30. On gagne 10 slots d'un coup là. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, bah du coup, vous avez l'air unanime pour que je fasse un live dimanche prochain sans faire d'épisode la semaine prochaine. Parce que c'est pareil, vous voyez, le fait de faire un live ce dimanche, bah du coup, demain matin, enfin pas demain matin vu que je travaille, mais demain après-midi, la première chose que je vais faire, c'est tourner les. Si je vous mets des épisodes dans la semaine, c'est tourner les deux épisodes de Coral Island pour vous les proposer de suite dans la semaine. C'est ce que j'ai fait par exemple hier. Hier, on a fait un live sur Disney Dreamlight Valley. Ce matin, j'ai tourné les deux épisodes pour la semaine prochaine. J'étais obligé. Et du coup, j'ai pas pu faire autre chose. Vous voyez, le fait de faire des lives et de décaler les sorties de vidéos, ça me bloque pour tourner la suite, quoi. Donc c'est vrai que de enchaîner sur des lives, c'est un peu plus simple pour moi aussi. Ouais, c'est beaucoup de taf, mais franchement, je m'éclate à faire ça. Hein. Donc, sinon, je le ferai pas. Hein. De toute façon, ceux qui me connaissent bien le savent. Et notamment quelqu'un qui m'est très proche, c'est Hardag. Hein. Si ça me plaisait pas. Vous pouvez être sûr et certain que j'aurais abandonné depuis longtemps et qu'on fêterait pas bientôt les 5 ans de la chaîne. Hein. Donc, non, franchement, c'est cool. Donc, vous êtes tous unanimes. On va se faire un petit sondage. Vous savez quoi? J'ai envie de vous faire un petit sondage. Comment on fait un sondage déjà? Je ne sais même plus. Démarrer un sondage. Alors. Pour la suite. Alors attendez, en plus je suis en QWERTY, c'est en train d'écrire n'importe quoi. Pour la suite à donner, virgule, vous préférez, point d'interrogation. Alors, un live dimanche prochain et c'est tout.
Tac. Bon, je vous prépare ça, tranquillou. Désolé, je vous remets quand même la partie. Ah bah quand je passe Gusul sur mon autre écran, ça met le jeu en pause, je suis désolé. un live dimanche prochain. Prochain. Plus les deux vidéos en semaine. Ok, ajouter une option. Juste les deux vidéos en semaine et pas de live. Dimanche prochain. Voilà. À mon avis, je dépasse le nombre de caractères requis, mais... Ah oui. Donc juste les deux vidéos en semaine. Donc j'enlève ça. Voilà. Ici, je dépasse les caractères aussi. Un live dimanche prochain plus deux vidéos. On va faire plus simple. Ah oui, en plus, on est limité en nombre de réponses et j'enlève le S. Du coup, il y aura des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Ici, je dépasse de trois lettres. Donc, on va enlever ça. Un live dimanche prochain. Alors, juste un live dimanche prochain, peut-être. Juste un live dimanche prochain. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Voilà. Et bah, la dernière, rien du tout. Voilà. À vous de voter. Les loulous, faites-vous plaisir. Je vous demande votre avis, donc n'hésitez pas à le donner, hein. C'est rare que que les youtubeurs fassent ça. Il faut que je repasse en QWERTY, moi. Il est 2h20. J'aurais pas fait grand-chose sur cette journée-là. Parce il faut que je termine la journée pour avoir la sauvegarde, hein. Par contre, on peut... Ah! On peut avoir deux barres de raccourci. Ça, c'est bon à savoir, ça. Oh non, mais les papillons sont... Ils sont vénères. Hein. Les papillons sont vénères. Alors. T'es qui, toi? Antonio, oui. Ah, c'est toi qui viens de t'installer? C'est un nouveau PNJ, ça. Ok, on vient de découvrir un nouveau PNJ. Ah bah d'ailleurs, les trois PNJ qui étaient là ne sont plus là. Ah si. Il y en a deux. Encore un ici. Et franchement, on a sacrément bien avancé aujourd'hui. Ok. Alors, on en est où sur... Donc, juste un live dimanche prochain, 47%. Un live dimanche prochain, plus deux vidéos. Ah là, vous êtes dur, par contre. Vous êtes dur avec moi. 47% aussi. Donc, il y a eu 19 votes. Ok. Vous êtes 49 sur le live, et il y a eu 19 votes. Et donc, 5%, juste les deux vidéos en semaine. Bon, va falloir départager, hein. Va falloir départager. Alors, on m'a demandé la pêche. On peut essayer de pêcher un peu ici. C'est vrai, je crois que c'est Isabella qui m'avait demandé la pêche. Voilà. Oh, une mante religieuse. Ça, c'est nouveau, ça ira au musée. Allez, c'est parti pour la pêche. Juste un live dimanche prochain qui repasse devant. Avec un 20e vote. Allez, allez les loulous là. Profitez, je vous demande votre avis. Allez-y quoi. Soyez pas timide. C'est pas compliqué d'appuyer sur le sondage et de choisir une réponse. Alors par contre, du coup, je vois pas le chat avec le sondage. Je peux le réduire comme ça, voilà. Ah oui, mais du coup, je reclique sur mon écran, je ramasse la ligne. Bah, bonne fin d'après-midi, Bebs. À plus tard et merci pour d'être passé. Ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, on est parti sur juste le live dimanche prochain. Je vous cache pas que ça m'arrange, hein.
Et en plus, ça a coupé mon micro. Bah, génial. Donc, vous devez plus avoir le son du jeu. Ah, si, le son du jeu est là. Donc, je suis désolé. En fait, c'est OBS qui s'est fermé tout seul. Du coup, ça a fait bugger le live. Du coup, en le relançant, ça a mute mon micro. Je m'en suis pas rendu compte. Donc, ça a dû revenir. Et je m'en excuse. C'est la deuxième fois qu'OBS se coupe comme ça, sans raison. Je comprends pas pourquoi. Donc, le sondage est toujours en cours, 61%. On va essayer d'attraper un deuxième poisson parce que du coup j'ai tout loupé. Et on a attrapé une crevette. Un, non, une. Donc du coup voilà, bah du coup je vais mettre fin au sondage. Il y a eu 28 votes, merci à tous. 61%, donc juste un live dimanche prochain, donc on va rester là-dessus. Juste un live, je pense pas que un live dimanche prochain plus deux vidéos va remonter hein, de toute façon. 31% pour celui-ci, donc, et 7% juste les deux vidéos en semaine. Mince. Alors, ça, c'est quand je reviens sur mon écran, désolé. Oui, je pêche sur Terre. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai plus d'interface non plus au niveau du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, c'est revenu. Il y a tout qui a bugué là pour finir le live. On va pas tarder à aller se coucher, les loulous. Je vais couper là-dessus. Du coup. Donc, merci pour vos votes. En tout cas, pour ceux qui ont voté. Voilà, 29 votes. 58%. Il y a eu un vote là pour juste les deux vidéos en semaine. Donc, dimanche prochain, on se retrouvera en live à nouveau sur Coral Island. Du coup, je ne vous fais pas de vidéo la semaine prochaine. Je ne vous cache pas que ça m'arrange. Ensuite, samedi prochain, on se retrouvera normalement sur un live Night of the Dead en coop. Voilà, il faut juste que je trouve mon ou mes partenaires de jeu. Et surtout voir ce que je vais donner comme suite une fois le live passé. Est-ce que je fais une petite série ou pas? Voilà, 31 votes, tout à fait. C'est déjà pas mal. Donc je vais juste clôturer le vote. Voilà, je mets fin au sondage. Hop, donc c'est la victoire du juste un live dimanche prochain. Dans tous les cas, les loulous, je suis vraiment content bah, de ce live. Hein. Voilà, on est 55 là encore sur. Je crois que c'est le record de la chaîne. Hein. Je verrai tout à l'heure les stats. Mais je vais faire le curieux pour une fois, je vais regarder mes stats. Pour juste voir le record, je vous en reparlerai la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour faire un petit bilan rapide sur cette fin de stream, bah, le jeu est vraiment top. À quasiment tous les points de vue, en dehors de la traduction FR qui est complètement bancale. Je pense qu'ils ont fait vraiment une première trad, style Google Trad, et qu'ils vont peaufiner tout ça plus tard. En tout cas, j'espère. Mais je pense pas que ce soit leur priorité de suite non plus. N'hésitez pas pour ceux qui sont sur leur Discord à poser la question, hein, carrément, hein, si on peut avoir un retour la semaine prochaine. Je voudrais remercier bah, les modérateurs de la chaîne, Mrs. Beers et Chris, pour le travail qu'ils ont fait, même si aujourd'hui on a été tranquille. Merci beaucoup à Gérald qui a rejoint la meute des loulous, normalement ça s'appelle. Le problème c'est que ça a juste mis membre. Donc je vous rappelle, hein, devenir membre, voilà, pour être clair et net sur la chaîne, c'est tout simplement soutenir la chaîne avec un abonnement. Voilà. Donc, ce qui va apporter des petits bonus, hein. Le petit badge à côté du nom, le petit logo de la chaîne. Il y a une petite emote, des emotes exclusives aussi que tu pourras utiliser, Gérald. Et quand tu auras un petit peu plus de monde, il y aura un nouvel avantage. Ce sera des vidéos en avant-première. Donc voilà. Donc merci à tous, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve donc ce soir, si tout va bien, en YouTube Première. Je vais mettre la vidéo après en ligne. Si jamais le YouTube Première ne veut pas fonctionner comme hier soir, je vous mettrai un message sur le Discord et sur l'onglet communauté. Je vous fais aussi passer le planning pour la semaine prochaine. Et puis, bah, on est complet. Voilà. Donc, les loulous, merci encore beaucoup pour tout. Je vous fais des bisous. On se dit à ce soir pour ceux qui seront là. À la semaine prochaine pour les lives pour ceux qui seront là aussi. Et puis bah, on se retrouve dans les commentaires sous les vidéos. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ne le dis pas souvent, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus aussi sous les vidéos. Hein. Ça soutient énormément et ça fait. C'est un gros plus hein, au niveau de la chaîne pour bah, faire travailler l'algorithme de YouTube et de mettre un peu les vidéos en avant hein, sur YouTube, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, les loulous, une bonne fin de soirée, des bisous à tous. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!